Welcome to SFV <laughs> News, people! Like, share! <laughs> I'm on the street, baby! Standing <laughs> on business! That's <laughs> how it's recorded. Standing on business. You know what it's called? SFV News. Standing on business, welcome guys à SFB News, le trio est là, les épisodes s'appelle Standing on business Parce qu'on a beaucoup à parler, les gars m'ont pas respecté, radio on a un groupe, m'ont pas respecté on va, on va attendre que Kaza arrive pour qu'on discute ça en grand Trio est là, RJ, Miso God, Spenty, We're here, on va commencer avec la Champions League Parce que comme d'habitude, il des affaires foues qui se passent, des affaires fucked up qui se passent la première chose de photo qui s'est passée, devenez quoi? PSG a perdu contre Dortmund. <laughs> hmm. Guys, guys qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La fais un recap, s'il te plaît. Juste pour expliquer comment PSG est une honte. Euh, PSG, je pense, a frappé 11, pot 11 poteaux dans les deux games deux contre Dortmund. Euh, Ça n'a pas joué. Mais on le savait, c'était PSG, euh, c'est des chokers. Euh, we called it, Mopiniki, malheureusement. Ouais. Euh, on voulait, moi je voulais pas que Dortmund se rende en finale anyways. Euh, C'était le, le chemin le plus facile pour PSG pour se rendre en Champions League Final, puis peut-être gagner une finale. Mm. Mais maintenant qu'on sait c'est qui leur adversaire, euh, je suis pas surpris. Je suis très content. Euh, Don Carlo Ancelotti va avoir sa sixième finale de Champions League. Aussi. Il en a gagné cinq. Mm. Euh 4. Quatre. Quatre. Quatre sur 5. 4 sur 5. Il a perdu contre CD. Ouais, il a perdu contre CD. Euh, ça, j'ai hâte de voir. C'est une grosse finale. C'est euh, ben, gros, une grosse oh. finale. <laughs> c'est déjà écrit. C'est bah, la, la finale à Real Madrid. Voilà, voilà. J'ai bon, regardé le, le, le second half. Um, dès que j'ai vu que PSG um, n'avait pas, euh, pas marqué, j'ai vraiment d'un problème. Puis Je me rappelle, je parlais à mon cousin, il était comme. J'ai il, il dit, la, la game, j'ai c'est Mbappé. Euh, Mbappé score mm -hmm. puis PSG win puis il a dit je ne file pas Mbappé score j'ai dit mais si tu ne pas Mbappé score mets Dortmund il... oui. c'est comme ça, ça va ensemble Puis okay? effectivement ils n'ont ils ont, ils ont encore, encore pas marqué j'ai pris plein de photos ouais. et Dortmund a marqué un but il a pris le lead puis j'étais comme c'est Oshiro dès qu'elle vient et puis Bayern quand vous avez trouvé Bayern et Real Madrid euh... Bayern, je veux dire, ils ont, ils ont sit back. Quand, quand ils ont marqué Ils ont sit back, mm -hmm. ils ont subalterné tous leurs attaquants, mettre tous des défenseurs. Oh, sérieux puis, Ils ont que le boss pour les 15-20 dernières minutes. C'est malheureux, mais qu'est-ce qui devait arriver Est arrivé. Puis euh, Real Madrid a marqué à la 87e, puis à la 92e pour euh, pick, pick the win-up. C'est juste ce qu arrive quand c'est pas ton style, genre. Bayern, c'est pas un ça, park de boss. C'est ça, ça fait exactement. Fait des stratégies. T'es pas habitué de faire. Joue ta game. Ouais. That's it. Mais moi, je crois pas. Depuis que je, je regarde Champions League, toutes les équipes qui portent le boss, prennent. Prenne. Toutes! Aujourd'hui, aujourd c'est aujourd arrivé la même chose. Je regardais Rome contre euh, le Bayern Leverkusen. Mm -hmm. Puis, c'était 2-0 euh, en aggregate pour euh, Leverkusen. Rome a ramené ça à 2-2. Oh. C'était 2-0 la game. Puis, ils ont oublié qu'il leur fallait un autre but pour, pour gagner. gagner. <laughs> Puis là, ils se sont mis à park le boss. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Exactement, Bang! Okay. Voilà. Voilà. Puis quand tu park le boss, il te la concession à, à l'autre team. Oui! Trop de chance. Trop de chance. Puis... En temps, ça va rentrer, là. Ouais, mais puis si, si en plus, t'es pas habitué de le faire, comme là, comme tu t'es mis en handicap parce que. Il n'y a pas beaucoup de teams qui sont habitués de le faire parce que c'est plus, plus le genre de soccer que les gens jouent et que exact. les gens veulent voir. Quand tu park le boss, là, il faut que tout le monde soit. In sync là. Tu peux avoir un gars qui lac là. La seule équipe qui peut le faire bien, c'est Atletico. C'est parce qu'eux ils font ça genre c'est in their DNA. Ma question c'était pour la Champions League. Est-ce que la est-ce que et la Ligue française viennent de perdre toute crédibilité dans le monde présentement? C'est pas une, une des je veux dire, top 5 best leagues in the world. Je veux dire, il, y a, il y a la Serie A, il y a la Bundesliga, il y a la Liga, il y a la, la Ligue portugaise. Euh, ça serait genre la, la cinquième. PSG représente toute la Ligue française, techniquement. PSG représente some oil money. Yeah. Euh, ils sont allés de... PSG est relevant depuis qu'ils ont changé de owner. Euh, puis que le owner a fait une promesse de Champions League qui n'est pas encore arrivée depuis genre 11 ou 12 années. Euh, son nom, euh, PSG ne représente pas la Ligue de France. PSG euh, représente un owner qui est money hungry, et qui est greedy, pis qui pense qu'il peut avoir tout avec l'argent. Il ne s'est pas arrivé. Puis là, Mbappé s'en va. Puis c'est la dernière chance pour 8 Win -win. relevant. Yep. Euh, moi, tout le monde sait que je ne pas la Ligue de France comme une ligue compétitive. Euh, PSG s'ils pouvaient genre s'expatrier, sortir de la Ligue de France puis jouer dans une autre ligue, ça serait probablement mieux pour eux. À the end of the day, je pense toujours que chaque fois qu'ils vont dans la Champions League, ils doivent step up. Même s'ils ont les meilleurs joueurs, les gars jouent contre des low quality players. Puis après Adien et ils n'arrivent pas à marquer contre Dortmund. Mais sincèrement, mais, mais PSG dans n'importe quelle autre ligue, je pense même pas son top 3. Non. Dans n'importe quelle autre, autre top league. D'accord avec toi. D'accord ouais. avec toi. So, c'est Dortmund okay, c'est une bonne team dans la Bundesliga mais donc, ils sont combien si... de teams dans de... 4e ou 5 ça Non mais si tu avais vu Dortmund jouer contre euh, Real Madrid ou Bayern comme euh, Antilly, comme les top équipes dans les autres euh, dans les autres ligues mm -hmm. Dortmund n'aurait pas gagné là. Donc wow. so, comme on s'attend pas ce que Dortmund le, Dortmund a pu faire l'upset parce que PSG est déjà une weak team à la base. C'est mm. so, un weak ouais. bracket. Ouais, c'était un weak bracket. Ouais. C'était un bracket pour eux et puis ils l'ont perdu. Non, tellement de bons joueurs, c'est ça qui me dead. Ouais, je veux dire bons joueurs. Euh, Mbappé, Dembélé, Vitinha. Hakimi, il euh, y, a, y a downgrade depuis qu'il est parti de d'Inter. De okay. Marquinhos. Ouais. Puis Donnarumma qui a downgrade depuis qu'il est parti à Milan. Ok. Bon, là, je sais qu'il y a une question qu'on qu se répète tout le temps, euh, mais je peux juste pour les gens qui ont oublié. Est-ce qu'on peut confirmer, se rappeler aux gens que la Champions League appartient à Real Madrid mm -hmm. et que quand on parle de Champions League, c'est qui va battre Real Madrid C'est vraiment le, le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'éliminer Real Madrid. Real Madrid. <laughs> quand tu les élimines, tu as quand même gagné. C'est pas ça ah. Man City, tu l'as prouvé l'année passée. Oui. Ils ont battu Madrid. En finale. Ils ont gagné la Coupe. Ouais. <laughs> et that's it. Vrai, ça... Oui. Puis la pour oui, c'est la compétition à Madrid. Puis il faut que tu élimines les meilleurs pour être le champion. Ouais. Ok, puis dernière question. Euh, ça, c'est un, un débat. <laughs> si une superstar va à Real Madrid, est-ce qu'on peut, est qu peut vraiment la considérer comme une superstar Et je vais m'expliquer en détail me parce dit. que si tu as une équipe qui gagne déjà sans toi, tu es une superstar, tu vas là-bas et continuer à gagner, tu n'as rien amené. Tu n'as fait aucun changement, tu n'as fait aucun impact. Même que tu étais à easy mode, so même tes stats, tu so dois vraiment les considérer comme des stats de fou. C'est tous les gens autour de toi sont les meilleurs joueurs, sont les champions. Pourquoi pas aller à une équipe comme Napoli, Inter, PSG et gagner avec ces équipes-là? C'est une Je vais te le mettre de ce point de vue-là. Là, Messi, je comprends qu'il venait du Youth Academy de Barça. Mm -hmm. Mais Messi est arrivé dans un Barça qui dominait déjà. Il a juste rajouté à sans la domina domina domination du Barça. Sans Messi, Barça ne gagnait pas. C Dieu. Sans Messi, Barça gagnait. Il y avait la. Euh, sans Messi, il y avait la difficulté. Sans gagner, Messi, Barça gagnait. Il gagnait mais pas tout le temps avec Messi. Sans tout, tout le temps, c'est tout le temps 50-50. Ouais, Madrid-Barça, de C'était des deux teams. Des deux teams. Sans Madrid, Madrid, Madrid-Barça. Madrid, 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 Madrid-Barça. C'était c'est Barça. Ça a commencé. Ça a commencé quand Ronaldo puis Messi sont arrivés. Ce Madrid Madrid barcelona ah ouais. euh, je peux te le mettre un autre contexte. Inter puis AC, mm -hmm. ils ont tout le temps eu deux bonnes équipes, tout le temps été des rivaux. Euh, pour, pour mettre en ton contexte, euh, NBA, qu'est-ce qu'ils font les superstars Ils font des big three Oui. Pour gagner un chip Oui. Quoi une superstar au soccer n'aurait pas le droit. Puis là, je vais te le mettre un autre contexte. Mm -hmm. La plupart du temps, une superstar au soccer déménage. Un, financièrement, parce qu'il veut plus d'argent. Il y a peu d'équipes qui peuvent te donner le top-end money vrai. au monde. Puis, deuxièmement, il y a des joueurs que c'est leur rêve de jouer pour certaines team. Il y a des joueurs que c'est leur rêve pour jouer pour Assy Milan, ou Barça ou Real. Puis, peu importe qu ce que tu m'offres, comme le PSG, tu peux m'offrir. Euh, 300 millions, de donner le président de, de, de France, je vais still pas le prendre parce que mon rêve, c'est de jouer à Real Madrid. Euh, pour moi, à Real Madrid, je parle en termes de basket, c'est. C'est comparé okay. à l'Ekeuse. L'Ekeuse. Là, la star, qui, comme le, le, la star, le gars qui bombe, la star montante, mm. il est déjà, est, son nom est déjà signé Real Madrid. Le, le joueur voulait déjà aller là. Euh, Real Madrid sait qu'il peut l'avoir. Il n'y a même pas besoin de forcer. Il sort le paycheck, puis c'est good. C'est la même chose pour l'Ekeuse. Les Ekeuses, jamais ils ont, ils ont draft un gars, puis ils l'ont build up, puis devenu, à part Kobe. Mais ils l'ont tué pour. Comme ce pas leur joueur qu'ils ont choisi, là, vrai. tu comprends? C'est. Mais c'est rare ça. Eux, souvent, c'est. On prend une star. Ils sont allés prendre chaque. Ils ont pris. Euh, là, ils ont LeBron. C'est des gars qui vont pick up le meilleur joueur qui, était dans, qui dérangeait dans notre équipe. Mm -hmm. Puis ils le rajoutent à leur équipe. Puis ils, ils, ils plus. continuent leur dynastie. Mm -hmm. Continuent leur dynastie. Okay, et mais. Non, un gars comme Steph Curry. Steph Curry a eu plus d'impact d'avoir pris une équipe que personne vraiment connaissait. Il connaissait, mais à peine. Puis qu'il a monté. Tu respectes beaucoup plus ça. Un gars comme KD qui a une équipe qui est déjà en train de gagner, ouais. puis un game de plus. Mais Donc, Tu respectes le... autant LeBron que tu respectes Curry. En fait, tu respectes plus LeBron que tu respectes Curry. Oui, parce que LeBron a amené une, une ring, la première ring à sa ville. Mais il est parti though. Ouais, exact. Il est parti, il est, il parti. Ta, il est allé s'entraîner. Si il m'appelle si à Madrid, puis il retourne à PSG, il amène une ring à PSG. Non, puis... c'est que c'est impossible que PSG gagne un ring. Il joue. Ouais. On vient de le dire qu'ils jouent dans une ligue où quand ils vont en Champions League, ils step up une compétition. Les gars ne jouent pas le niveau. Et il... Justement, il faut que tu réussisses à amener les cavaliers mm. ne jouaient pas du niveau non, le bon a amener le niveau. PSG à, se... se... <laughs> à lui tout seul ne peut pas amener toute l'équipe à jouer un niveau assez compétitif. Comme même si lui, il peut déranger, c'est pas assez si tout ton backline est trash, si tout ton milieu est trash. Comme... Les gars jouent contre comme leur, leur compétition, Marseille, Marseille. Euh, Lyon, 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 Lyon comme, Lille, oui <laughs> Ça change à chaque temps. Parce qu'il y a un temps, c'était quoi C'était Bordeaux, oui, euh, <laughs> Monaco. C'est mmh. jamais les mêmes gars. Il y a un, tu attends attend 10 minutes, il y a deux, la, la deuxième équipe, tu attends un autre 15 minutes, tu vois la troisième équipe. So. Ouais. Les gars sont juste trash dans la Ligue française. Comme ma bad là, pour les Français, <laughs> La Ligue est off. C'est okay <laughs> pas bon pour jouer contre Champions League. C'est vrai so, Là, lui, il va aller pour Mbappé justement pour montrer qu'il peut jouer vraiment il n'était pas, pas supposé rester aussi longtemps à PSG genre. il devait déjà être parti il devait être déjà être parti comme tu dois aller montrer que tu joues dans une ligue compétitive ok est-ce qu'il est obligé d'aller à Real Madrid non il a plus dire ok je vais aller à Barça il a plus dire il, il va euh, en Italie il a plus choisir une autre ligue mais c'est sûr que tout le monde mais il peut pas comme je, je comprends ton point de vue mais il peut pas parce que Inter n'a pas l'argent pour payer Mbappé ouais. Milan a pas l'argent pour payer Mbappé Juventus Devrait vendre toute son équipe pour peut-être mm -hmm. avoir l'argent pour Mbappé. Il y, a, il y a quatre équipes qui ont l'argent pour Mbappé live Real, ouais, Barça. City. Même Barça. Même ba ba Barça n'a pas d'argent pour ouais, Mbappé. Real, City, Arsenal, puis Man United. That's it. Je à Arsenal. Bah, C'est ce, à cause de ton Ça, <laughs> <buy> <laughs> C'est toi qui va jouer à mais Arsenal. Mais personne va aller jouer là. Ben, oh, je ne veux okay. pas dire pour personne. Ga pour gagner un, un Champions League, tu oui. vas à Madrid. Non. Non. Tu vas à Madrid. Non. Tu veux shiner une Champions League, tu vas pas à Arsenal, Tu vas à Madrid. Tu... All right, man. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que Superstar, tu considères le meilleur joueur, you go to a, a dead-ass team, you bring them up. I'm so good. Au soccer, c'est à... à... pas le même. Et à Madrid, ils ont eu, ils ont eu où ils avaient Zidane, Ronaldo, Zbik. C'est tous des gars qui étaient des Incroyable. meilleurs joueurs dans leur pays. Ils vont aller là. Ouais. Bon, allez, là. Euh, ils, avaient, ils avaient Figo, ils avaient Raoul. Après ça, le era, le era a changé. Tout d'un coup, Cristiano Ronaldo est allé là. Ils avaient Kaká qui est allé là. Ramos est allé là. Est, les stars vont là. C'est là qu'on show up ensemble. Comme, les gars, ils se réunissent. C'est comme notre génération, on va là. Puis les années 90, c'était Inter. C'était AC Milan. Mm. C'était UV. Puis les années 2000, c'est devenu Barça, Real. Mm. Puis là, ça s'en vient un petit peu la Prem. Ça s'en vient un petit peu plus. final. Euh... Non, ça s'en vient un petit peu plus équilibré live. <laughs> Arsenal, non, ça va être Dieu, ça, éternel ça fera la de no. gars vont dans... dans les best teams. Qui... Pour pit. Non, qui vont à Real même. Qui, <laughs> vont à qui vont à Real. C'est Barça. Il <laughs> faudrait quelque chose de tellement fucked up arrive à Real pour qu'ils pour que, ça arrive, pour que ils puissent plus attirer les joueurs là. Je comprends. OK, c'est bon. Bah, je me trompe peut-être moi. Ben, c'est juste le concept que ils font comme dans la NBA. Ouais, le concept est différent. C'est une super team. Ouais. Aussi les gens veulent la super team. Et moi comme ton euh, Salah, moi, je l'aime beaucoup, je le respecte beaucoup. Le gars, à Liverpool, puis il se balle, puis il fait ses stats à Liverpool. Ouais. Puis c'est pas les meilleurs joueurs sont à, à, autour de lui à Liverpool. Il doit. Il y il... a des très bons joueurs. Il y a eu des très bons joueurs pour très longtemps, ça là. Si tu, si tu compares Madrid et oh, Liverpool. Ah, 100%, c'est pas la même team. Voilà, tu mets ça là à Madrid. I'm sorry. Ah, oh, il est dégueulasse. That's what I'm saying. On me comprend, puis tous les fans de SoQ vont me comprendre. Oui, je suis nouveau dans ce que, so pour vous, c'est normalité. Comme tu as dit, mmh. l'ancien Ronaldo, euh, Zidane, okay. Cristiano, non, tous okay. les studs okay. vont là. C'est quelque chose que tu calcules pas dans tout ça. Quand Salah était vraiment en train de déranger et tout, mmh. là, comme Liverpool, ils ont refait un autre run après, mais ouais. qui, qui, était à, qui, qui était à Real Madrid qui faisait que aucune star allait dire j'allais aller là parce qu'il allait être le B-player Allez, à... À Cristiano Ronaldo les gars qui se sentent comme des alphas faut pas aller à Real Madrid quand il y a déjà un clear alpha là le spot est open comme les gars c'est son comme il s'en vient c'est son team c'est ça c'est son team oui il y a Vini mais comme bavé comme non une question Vini va faire quoi il va sur le banc non tu vois le struggle que Real Madrid a eu cette année avec les pensters sur le banc pas de all-stars sur le banc ils ont des bons joueurs sur le banc ils ont pas des all-stars sur le banc comme le gars qui les a fait gagner. Il y a, a Brahim <laughs> Diaz et okay. Joe Solou sur le banc, ce n'est pas des All-Stars. C'est la game de sa vie. là C'est okay. <laughs> le, le moment de sa vie. <laughs> de eu, eu, okay, ça n'arrivera okay. plus jamais. Okay, bon, bon. <laughs> le problème que Madrid a eu, ce n'est pas arrivé le cas contre Bayern, mais c'est que quand tu avais besoin d'un attaquant pour se battre Rodrigo ou Vini, il n'y mm -hmm. avait personne. Tu mettais un, 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 un gars comme Brahim Diaz qui, oui, te faisait de la magie de temps en temps, mais pas assez souvent. Mm -hmm. Là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que Mbappé va être off the bench. Vinny peut être off the bench. Rodrigo peut être off the bench. Les trois peuvent jouer ensemble. Comme live, il va avoir juste trop de attacking options pour Carlo Ancelotti. Ça va juste être dégueulasse. Comme là, il y avait des games, games qui jouaient avec deux attaquants, qui jouaient avec Rodrigo puis Vinicius. Puis s'ils pouvaient jouer 120 minutes avec ces deux-là, ils auraient joué 120 minutes avec ces deux-là. Mais ils n'ont pas les jambes. Donc, imagine, tu amènes un Mbappé. Tu se battes un Rodrigo pour Mbappé. Ouais. C'est dead. Imbattable. Ouais, ou tu sabotes un Mbappé pour Rodrigo. C'est d'aide aussi. Ça peux te permettre de donner une game de rest. Absolument, facilement. Facilement. All right, guys. That was it for Champions League. Oh, prédiction. On te casse. Prédiction, bro. Elle eh, ouais. est loin, elle est loin, elle est loin. Est loin. Est loin okay. est la grave. prédiction. Là. On va se à part s'il y a eu un méga injury entre temps. Parfait. NHL, quick recap. Uh, Rangers, Hurricanes. Rangers est dans le lead. Euh, là, il y a une game live présentement, donc c'est 1-0 à la série Rangers. Euh, Rangers, c'est ma team, comme vous le savez, donc je pense que ça s'est bien parti. Euh, Star, Avalanche, je vais laisser Misogod. Je euh... pense que les stars. Euh... Oh, Avalanche, 1-0. Moi, je sais, les stars, euh, ils aiment ça mal commencer. Oh, oui, La comme première game, ils gagnaient, je pense, 3-1, 4-1. Ils ont pris un comeback. Mm -hmm. Ils ont perdu en outil. Euh, je ne pas que si c'était comme. Ils avaient vraiment la game in, comme, en contrôle. Puis, juste comme ça, t'as vu le momentum shift. Euh, puis, quand Avalanche atteint la game, j'étais comme. J'ai perdu ce match-là. Ils sont perdus en outils. Neige Believe encore. Puis, j'ai réalisé, comme j'ai pris le bracket. Au début, je trouvais le bracket avait l'air simple. Puis là, je me gâche, j'étais comme. Hmm. Vegas! Avalanche! Mmh. Avalanche! C'est un gros gros style, comme, là, yo! C'est les plus tough, comme. Le bracket est tough. Si tu réussis à traverser, All the way. à D.N. Dien... La prochaine série, c'est pas plus facile challenge. non plus. Non, si tu ça va être mm. soit Edmonton ou euh, Vancouver. les Canucks. <laughs> Et comme bro, histoire de les Canucks, ou ah, ça, serait, ça serait insane. j'ai tout l'argent t'as toi. Si tu gagnes, les Canucks contre Edmonton. Mm -hmm. uh, Edmonton, a commencé back. même chose. Oh, même chose. Flying start Edmonton, 4 à 1. À, à genre, au milieu de la deuxième. Oh, ouais. mm -hmm. Et après, les connards se sont réveillés. 5 à 4. 5 à 4, ils ont gagné. Euh, je me rappelle pas si c'était en OT ou c'était en un... temps réglementaire. C'était OT aussi. C'était OT Non, il me semble que non. C'était quoi, c'était hier C'était hier, puis je me sens que ça a terminé euh, normalement. Là. Ouais. ouais, normalement. Normalement. Pas en OT. OT ouais, c'est ça. J'ai pas important. pu finir la game parce que j'étais allé sleep. Mais gros comeback. Gros comeback. comeback. 1-0, ouais. toutes nos teams sont 1-0. Ouais, on Ah non, 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 ouais, non c'est vrai, Toi C'est ma Je pensais que tu avais pris Avalanche. Anyway, I'm feeling good. Kaza est éliminé. Donc, euh, il <laughs> n'y est pas là. <laughs> so, guys, uh, that's it pour l'instant. On va vous revenir avec la NBA dès que Kaza arrive. So, à tantôt. Alright, guys, on est back. Uh, on va continuer avec la NFL. On va parler du draft un peu. Um, on n'a pas parlé de ça, le NFL draft. Puis si NFL draft aussi, on a le temps. Ouais, si on le shout-out, c'est vrai, out. So, NFL. Euh, première, première question que je vais vous poser, les gars. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, des Bears pour cette année, avec le draft avec Caleb Williams, puis le wide qu'ils ont été prendre, puis toutes les ressources qu'ils ont été prendre pour aider Caleb? Vous en pensez quoi? Est-ce qu'ils vont être une menace cette année, ou une année d'adaptation, un 3-15, s'ils arrivent à faire 18 games, ou un 3-14? Un okay, <laughs> ben, je pense qu'ils vont être compétitifs. Mais ils sont dans une division que tout le monde est. Comme tout le monde va venir jouer. Genre. Il y a les Packers, il y a les. Lyon, Lyon c'est les, les, les Vikings. La... Les Vikings. Quand les Vikings, je me dis qu'ils devraient être derniers. En eux, les... en eux et les Bears, c'est qu'ils devraient être derniers. Le... Le... Leur draft était. Comme je disais, leur draft, c'était le obvious pick. ils ont fait. Ils ont pris le, ils ont pris le QB. Mm -hmm. et ils ont pris un receveur oh, ouais, pour aller, genre. comme. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Je ne sais pas si c'est extraordinaire. Pour moi, je ne trouve pas que c'est spécial quand tu étais le number one pick. Là. Mm -hmm. number... À draft un bon joueur quand tu étais le premier. Tu avais le first puis le 8, je pense. Ouais, ou euh, le 9. C'est ça, c'est le, le nine. Ça. pas comme s'ils ont oh, fait moi, des, des, des tours de magie pour avoir ces gars-là. Mm -hmm. Ils étaient juste bien placés. Par contre, c'est l'année passée quand ils ont flissé euh, mm -hmm. les, les Panthers. C'est là mm -hmm. qu'ils ont dead. Mm -hmm. euh, mais non. Euh, je pense qu'ils vont être mid. What, mid Mais amélioration comparée à l'année passée. Moi, je trouve ça un peu dommage qu'ils n'ont pas respecté Justin Fields. C'est là que moi, ils n'ont vraiment, vraiment donné aucune chose à Justin Field. Puis Caleb a eu plein de chances. Euh, oui, puis non. Euh, je trouve qu'ils vont être euh, middle of the pack. Je pense qu'ils vont être genre 9-7, 9-8. Dans les environs de même, ils vont être en haut de 500 ou 500. Leur offense va être stack. Reste à voir si euh, Williams est capable de jouer à ce niveau-là. Euh, puis, that's it, man. Les Bears vont être nice l'année prochaine à, à voir jouer. Peut-être peut on va aller le voir avec euh, notre boss Ross pour sa fête. Peut-être si ça se passe. Ross, no pressure. Mmh. Euh, L'autre mmh. question vous avez pensé quoi de Michael, Penis, euh, Michael Penix mmh. Penix, sorry. Bloopers. <laughs> 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 Michael un Penix, take. junior. Euh, un draft de Aklata Falcons comme QB qui venait juste de draft Her Cousin pour, yeah. quatre ans, euh, son sign. Sign pour 100 millions garantis, 80 millions. Euh, Yes, bonus. Yes, whatever. Um, moi, mon idée, c'est qu'ils l'ont fait. Ça, c'est Mizogot, qui l'a mis dans le groupe. Ils l'ont fait pour avoir un, 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 un power de trade. en équipe qui n'a pas de QB commence à, à ça commence à chier, ils peuvent aller prendre des wide ou des weapons qu'ils ont besoin de leur équipe. Donc, c'était purement stratégique. C'était purement pour des trades durant la saison. Ça, c'est mon, mon take en date. Bon, si ça serait ça, ça serait peut-être intéressant, mais je trouve quand même que c'est un vieux, ultra vieux trade. Pourquoi euh, T'as tes que cousin pour gagner, t'as rendez que cousin juste pour jouer. T'as pour... pris, pris que cousin, tu signes, je pense, c'est un contrat de 4 ans. Oui. Mais t'as draft un QB que, mm -hmm. comme quand il va être éligible pour une nouvelle, pour comme resigner, c'est mm -hmm. aussi 4 ans. C'est aussi dans 4 ans. So, T'auras 2 QB à signer dans 4 ans. C'est ça, genre, comme. Pas comme si t'as que cousin par… Pas hein, ben, ben, un dans quatre draft en 80 ans. So, tu viens de draft, sauf si t'as pris le QB pour fun. Non, pour trade. Non, mais, du trop, du... <laughs> non moi je parle de l'option qu'il ne trade pas. Il garde. Ah, oh, ok, je comprends. Je trouve que ouais, c'est stupide dans le sens aussi. Comme, ils ont pris un QB pour le, le, le garder sur le banc. Mm -hmm. Je pense que c'était le QB. C'est un des plus vieux dans, dans, dans oui. les drafts. Puis et comme il, là, lui, il a pas vraiment la chance. Il doit juste se mm -hmm. que là. Je ne pense pas que Curcosen soit un injury pour un QB. Je pense qu'il peut jouer sans de blessures vraiment. Donc, mm. Moi le truc comme je pense qu'ils auraient été mieux de tuer down aussi il y a personne qui voulait tuer down essayer de prendre des pics euh, puis euh, comme je comprends pas le move d'avoir un QB qui va pas jouer genre. comme si que cousin se blesse OK mais comme t'en vit pas dans les six, ici. Euh, oui. les packers ont montré que c'est pas la fin du monde de draft un QB puis de le faire bench. Un petit peu. C'est vrai. Euh, surtout, surtout cette année. Brett Favre, Aaron Rodgers. Et après, Aaron Rodgers, Jordan, Jordan Love. Love. Mm -hmm. après, il est jeune. Oui, je suis d'accord avec toi. Sur, <laughs> sur, sur tous ces points-là, je suis d'accord avec toi. Je suis juste en train d'amener un point que comme... I mean, peut-être un, deux ans, sit, ben, sit, sit, sit ou bench, puis mm -hmm. euh, euh, tu le fais jouer après deux ans, ou un an et demi, whatever, si, si Kirk Gerson se blesse. Donc, je, vois, je vois pas pourquoi. Pas ça. Mais en même temps, c'est l'affaire la plus stupide que tu aurais pu faire étant les Falcons. Tu aurais pu aller chercher le meilleur joueur défensif huitième euh, overall dans le draft. Tu chercher un QB. I don't see why. Tu te manquais, tu te manquais une petite affaire euh, dans ta defensive line pour peut-être te mettre over the edge parce que ta defense est quand même bonne. Okay. Pas excellente, mais euh, je, 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 je comprends pas le move. Non, c'est un QB que tu vas bench comme deux ans, si pas trois. Comme minimum là genre juste il y a juste des injury qui fait que Michael penix va jouer genre euh, puis que Cousin ce QB comme tu sais, je peux le le, le, le comme je veux en disant que il va pas gagner un peux chip, il va te faire 3500 il, il va faire des stats so, il est difficile ouais. à bench là comme ouais. tu pas un QB tu vas bench comme il va te montrer que comme, surtout avec la ce que les Falcons ont là ça, tu, tu vas toujours croire qu'on est one one play away genre. comme des gens vont croire que ils sont à ça de. Un championship team avec Cousin. Il va te faire believe Donc, so, Michael Penix va juste ride le bench Je crois que, que Cousin va vraiment off. Mm. Euh, J'ai une question pour vous. Euh, il se passe quoi avec Cousin? Parce que Kaza est back. T'es arrivé. T'es arrivé. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, de euh, l'histoire avec Russell Wilson? Puis, euh, tu sais, il est allé aux stylesuses. Les Denver ont été prendre Bonix. Nix. Mm. Euh, Est-ce que c'est ce d'avoir fait ça? ou les, les Broncos en mode reconstruction? Pour les... les, les broncos? broncos pour les Broncos, ouais. Ah, c'est 100% reconstruction. 100% ça, reconstruction. Ça, 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 ça. Ouais. OK, parfait. Ça veut m'assurer qu'on est dans la même longueur d'onde. Moi, je suis pas un gars qui feel bonics comme ça. Moi non, non plus. Tôt. Moi, je trouvais qu'il était très ordinaire. Puis je pense que t'as enlevé Russell Wilson pour un gars qui va rien t'amener, selon moi, là. Non, mais... T'es pas un MVP comme ça, ce gars-là. Peut-être après QB, que lui veut modeler à sa façon. Puis je pense qu'il a vu que Russell Wilson ne fonctionnait pas comme il veut. Oh, fuck it. Tu peut-être un ring Ouais. Avec. Euh, Les Marlins, ouais. Fuck, il a un ring, hein. C'est qu'il peut se de parler comme ça. Donc, damn. Il s'en va pour un QB qui peut modeler. Mm -hmm. Alors, il pourrait peut-être peut le rendre meilleur que. Moi, je trouve pas qu'il est tant bon, mais. Euh... Non, mais je pense que c'est le meilleur move pour eux parce que... il faut pas que Russell Wilson. Oh, ouais, ouais, ouais. Pourquoi garder un QB qui tu pas avec um, Mais je pense pas qu'ils sont. <laughs> Tout d'un coup, ils vont devenir bons, là. Le move des Steelers mm. était, était wack, do parce qu'après, t'es allé chercher Justin Fields. Oui, mm. mais tu sais qu'ils vont mettre retourneur. tourneur. Ah, S'il vous plaît. <laughs> <laughs> S'il vous plaît. Ça, c'est fou, vous l'aurez. Non mais S'il vous plaît, j'ai vu des TikToks qui disaient que les kick-offs être devenus des, des affaires de flag. C'est ça, ben, que... c'est ça, que je te dis. All the way across the field. Et puis. Et après, un return avec deux trois bloqueurs. Il faut un Justin we'll see. Fields. We'll see. We'll see avec le nouveau kick-off. You know what? I would like qu'il cache la balle. First return TD. <laughs> New job. Oui, ça veut dire va rester là. Si je suis lui, je ne le cache pas, là là, pas okay, non, 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 la balle. la drop from ball. Le gars n'est pas bon QB comme ça, on l'a vu. Okay, no, okay, ok, ok, ok. Prochaine question. Justin Il... Fields est OK QB. C'est vrai. vrai. Okay. OK. OK. Thank you. Thank you. So, parmi uh, mes Eagles, on ne peut pas passer de la NFL sans parler de Eagles. Elles ont été vous deux corners parce qu'il y a du monde comme Mizogatari, Spenty qui who... ont toute la saison à 10, mais... Mes corners. Parce que t'as pas de corner. Et puis là, putain. <laughs> J'allais aussi, shout out. Comme com de fait, t'allais draft des corner. En effet, on n'avait pas le choix. Pour, vous prouver, pour vous prouver wrong, on a pas le choix. Pour me, wrong, dit, oh, vous me, vous right. me <laughs> right. Pour me <laughs> <vous> donner, <laughs> <raison, rire> <vous> donner raison. Pour <laughs> <vous> me donner raison, on a dit, ouais, on a vu dans le corner. Donc, je veux dire que je suis très fier de ça. On a une d -line dans des corner. Tout ce qui nous manquait. La seule chose qui nous fait peur, c'est le, 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 le talk push. Push talk. Talk and push love? <laughs> love brotherly you euh, Touch Comment, push. Touch push, push, merci. Mm. Comment on va faire ça sans Kelsey? On a été prendre ça comme Berkeley, mais peut-être on va changer maintenant. Ça va être peut-être un, un, un dive, un full background de Berkeley. Ou oh, we'll ben aussi. On va se débrouiller. Moi, c'est juste pour euh, que je vous ai remarqué avec les goals. Je trouve que vous êtes... Euh, vous draftez vraiment les, les joueurs médiatisés. J'ai remarqué ça les quelques derniers drafts. C'est vrai. Prenez les joueurs qu'on entend parler, genre, sur ESPN. C'est vrai. Euh, l'année passée vous avez pris le, le deal comme même, même vous allez voir le gars descendre dans le draft mm -hmm. vous allez le prendre mm -hmm. c'est comme, comme non on l'a vu c'était le gars que tout le monde parlait au prend ce et s'il a été médiatisé c'est-à-dire qu'il doit être bon quelque part non ouais, mais euh, je veux dire j'ai l'impression qu'il est comme bon stats Coupe, Coupe des jeunes a pas l'air mauvais je sais pas qu'il a l'air lit je, je sais pas. Vrai, des fois j'ai l'impression qu'il regarde comme nous il veut voir Mel Kiper il <laughs> regarde la liste de mecs every hour. Watch pour lui. Il um, dit, check les stats. Oh, la light tape. Il est, est bon. Est-ce que jusqu'à présent ça a fonctionné pour eux? Bon, on s'est rendu, rendu à finals. Est-ce que c'était tes draft pick ou ta free agency qui t'a Bonne question. hein? <laughs> bonne bah, question. c'est de donner la light I played the fifth. Played the I, fifth. Play, I played the fifth. <laughs> Date, right. rookie, je les vois pas. Faire. Comme, ils font peut-être une bonne première saison. Il, la saison d'après, disparaît. disparaissent. Ouais, d <laughs> euh, Davis a, fait, a bien commencé la saison, mais s'est blessé. Il avait très bien commencé la saison. Les autres euh, drivers en plus, vraiment deux autres. Donc, oh, où draft est euh, bien, c'est euh, le, le, le receveur, Smith, oh, avait très bien fait aussi. S'il y avait plus de, de visous, puisque quand Edgeburne est arrivé, c'est ce qui est arrivé. Le là, là, crybaby pour plus de balles. puis. Euh... puis la Smith a disparu. Les deux sont faits signer de uh, off-season. c'est so. oui. comme ça. Bon. Je, je, je vais dire un hot take live. Vas-y. Puis, euh, ça va surprendre beaucoup de gens. Ok. Mais euh, la division des euh, Texans va devenir une des meilleures divisions de la ligue. Parce que les Colts ont un come-up. Leur QB encore en oh, qu'ils ont signé Talleyboy et puis. Uh, Pilar Leur receiving core, oui. leur running back, puis leur QB. On the come-up. Anthony Richardson, qui était blessé, il avait bien commencé la saison passée. Oh, Jonathan Taylor. C'est vrai. Ils sont allés chercher euh, Adonai Mitchell ouais. dans le draft. Euh, ils ont Pittman Jr. Puis ils euh, sont allés chercher Tyler Boyd. Ah, je peux ça, c'est sans compter leur Titan. C'était Tennessee. Tyler Boyd est à Tennessee. Ils euh, sont, sont allés chercher un autre White qui était bon. Ouais, c'est vrai que ça solide. J'ai ou oublié c'était ouais. qui leur Titan en plus. Les Colts, c'est les Colts on the come-up pas encore du gubi. Est-ce euh, que Texan va, va aller va aller en finale cette année Je souhaite. Je pas dire ça. Bon, je suis pas encore proche de dire ça. Et ça permet là pour la saison. Et Rashid Wise qui va plus jouer pour les Chiefs parce que c'est une grande perte ou non Il va pas pas jouer. Il, il, a il, a il va être être suspendu un, une, une coupe de, de game. game. OK, guys, Il y a rien game. fait, il y a rien fait de mal là. Eh, okay, accident voilà. Il y a run. Oui, OK. C'est un hit and run. Il a fait un hit and run. Ben, gel, non. Il n'y a pas de jail pour un hit and run. Non? Il y a, non. Personne n'est mort. Il n'y a pas de jail là date. Ah, per, juste... Personne n'est mort. Il a fait un hit and run. C'est un cave. That's it. That's all. Et après, il a un... fait une autre affaire stupide. Il va être suspendu 2-3 games. That's it. That's all. 4 games. Ouais. 6 games max. Ah ouais? Then he's back. C'est vrai que c'est un champion. J'avoue. Je... Ah, il est ah si, non, si, si, c'est no juste... Si c'est des nord. affaires mineures. C'est pas comme il a battu sa femme ou il... Hit oh, 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 oh. <laughs> <Okay. laughs> and run? Non, mais... Les, des affaires qui sont plus... les deux sont équivalents c'est des, <laughs> des affaires qui sont plus graves dans, pour la NFL on a, on a déjà ouais. parlé plusieurs fois les jours de football sont excessifs des conneries comme dès que c'est le off-season <laughs> de... il y a toujours un shit il y a toujours un shit ok les jours de football ils ne peuvent pas s'en empêcher Donc, la ligue ils savent déjà ces affaires-là tu comprends ils savent à quelle commodité qu'ils ont, qu ont besoin Donc, on va donner un fine on va donner 4, 5, 6 games de suspension puis c'est ça il a donné des des, des year long euh, suspensions à Josh Gordon pour, pour avoir fumé. oui oui weed. Oui. Oui. Ça c'est euh, Ça c'était euh, après euh, Ray Rice ils ont donné ah, des bans. Il a jamais joué. Comme, non, lui, ce, à perpétuité lui. Tu vois <laughs> mais ça c'est des ouais. affaires que la NFL comme met, met un hit dessus comme ouais. ça l'arrive t'es out. Rishi <laughs> Rice c'est comme des petites tapes sur la main. We rice c'était gangster! Yeah. Re-Rice, yeah. yeah. on camera! On était au cégep, mon gars, le vidéo est sorti, c'était trop fou. Il yeah, a drag la femme! Ah, Comme si on il coûtait la salle de vidange! Ah. Chaque patate! Ouais, ouais, ouais. Anyway, right. Alright, guys. Uh, that was it pour the NFL. Uh, J'ai hâte que la saison commence, voir si les rookies sont hard. Moi, je regarde beaucoup le off season Ou non, mais moi, je le regarde attentivement. Ah, je check. Moi, je ah, suis. Que... Moi aussi, aussi attention. Ok, moi, je vais vous dire, ok. Le draft, pour moi cette année, était weak. Il n'y a personne que j'étais comme. Il ouais. n'y a personne que j'étais comme, shit, je veux ce gars-là. Ma... Pour le reste, je vous... vous dis. Mais si tu voulais un white, c'était l'année pour avoir un white. Moi, je... mon équipe, je sais qu'on n'a rien fait, sérieux. Non, c'est. J'ai rien calculé. C'est All -line. line comme d'habitude. On hein? va toujours des line comme, Dans ma tête, je n'aime pas quel joueur qui peut vraiment m'aider. Je ne m'attendais à rien. D'habitude, je l'écoute, le draft. Je suis comme, ok, tel joueur, je peux comprendre lui. Il ne le prennent pas, mais bon, pas grave. Là, il n'y avait juste aucun joueur que j'étais comme. Même tu vois les QB, tu vois là, tellement les gars voulaient des QB, ils ont draft comme 6 QB dans le top 15. C'est Mais on est d'accord que dans les QB il y en a peut-être un qui va être starter level là. Deux ouais. max. Ouais, ouais, max. Comme peut-être un star, un star starter, puis trois qui a, après, après quatre ans, ils sont rendus bencheux, puis ils sont bien deux boss, deux méga ouais. boss là. Mais les gars ont tout draft des QB dans le top 15, comme si ça allait toutes des stars. Je suis comme « Yo, <laughs> non ». Elle veut des QB là sur trash, elle va le draft next year, mm -hmm. dans nos mm -hmm. Cubi. En tout cas, le draft était était vraiment off. Le marketing était était solide pour les Cubis, ouais, ouais. ça. Il est wide. C'est à cause de Il fucking. Ah, <laughs> ils ouais, ils ont drafté le, le next tout le monde a go crazy. Oh, oh <laughs> faut que faut jeter les Cubis. <laughs> Alright guys, ça was it pour la NFL. Là, on commence les choses sérieuses. Aujourd'hui sur IG, dans le groupe.

euh, parce que j'ai dit. Que... c'est toi qui m'a non, non. <laughs> dit. J'ai dit. C'est des facts. J'ai dit, I told you. T'es vraiment BBL Drizzy, for real. Il okay. planned... <laughs> <une semaine. rire> y a un mois, OK. T'as plein des sites pendant une semaine. Il y a un mois, j'ai dit au gars que Joker n'était pas passionné au basket. C'était un hobby. Puis qu'il préférait euh, regarder ses chevals en Serbie, puis boire de la bière, puis chill. Il y a une vidéo qui est sortie dans un podcast avec. À hein, Cole Porter Jr., qui est son collègue de travail. <laughs> okay. Collègue de travail. Et il a confirmé <laughs> que le qu gars ne touche pas un ballon de basket durant l'off-season. Il regarde ses, chevals, ses chevaux et il, il boit de la bière puis il chill. Et après, il arrive quand la saison va commencer, quelques semaines avant la saison commence, c'est là qu'il prend un ballon de basket puis il fait l'esquime puis il joue. Donc moi, j'ai dit au gars dans le gros I told you que le gars n'est pas passionné au basket. C'est un hobby pour lui, c'est un travail pour lui. Le juge. Jouer parce qu'il n'y a pas le choix. Laurent. Si c'était lui, pour être riche, arrêter les chevaux, c'est chevaux. Oui. Avait, moi, je dis un early retirement dans quelques années. Oui. Deux, <laughs> trois ans. <Dites> <laughs> chiffres. Comment dire Il avait dit dix ans. Là, ils ont comme <laughs> <gone>, ma step. <laughs> il a dit, tu peux déjà nous banquer là. <laughs> non. Je dis, peut-être maintenant, 13 ans. Exact. Let, let me ask you a question, Laurent. Okay? Go ahead. Mais, oui, go ahead. T'inquiète, oui. t'inquiète. Let me ask you a question. Go ahead. Euh, au travail, tu as combien de semaines de congé que tu pourrais prendre comme back-to-back-to-back. J'ai quatre semaines. Quatre semaines? Max. OK. Mettons, peu coïncidence, tu prends quatre semaines back-to-back. Est-ce que tu es sur Excel every single day en train de faire tes affaires pour ta job? Non. Pourquoi Yokich devrait être avec un ballon de basket pendant qu'il est en vacances? Est-ce que durant l'off-season? Tout le monde joue basket. Ah ouais. Non. La non. majorité des gens non, qui sont moi passionnés. Vu, moi, j'ai vu Jeremy Smith passionnés. sur j. un j. boat. Smith était passionné. Sur un boat. J. <laughs> j. était passionné du basket. Avec des hookers. Jeremy <laughs> Smith était passionné de basket. <laughs> Son drink in his hands. <laughs> Il n'était pas passionné du basket. Mon pote à tenir. Il n'y avait pas LeBron James aussi sur le bateau LeBron James sur le bateau à Jeremy Smith Impossible. Impossible. Il était là peut-être, il était peut-être sous le bateau une journée. Non mais il veut fucking oups. Dieu avec des bitches. I'm just saying. Tu es en vacances, pas passionné de. Tu es en vacances. Quand Vacances. Passionné d'un sport, tu peux pas me dire que tu passes toute ton off-season à regarder des chevaux et à chier dans ton pays avec ta famille. 100 c'est mes vacances. Tu penses que Kobe regarder des des chevaux Et Jordan sont à part, il faut pas que tu les Le le plus ne fait pas ça aussi. Le 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 LeBron prend des vacances. Non, le 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 LeBron prend des vacances. À chaque défaite. <laughs> regarde. Il t'a un coup de regarde, cool regarde, La force c'est que lui, il a, trouvé, il a trouvé le glitch. Si tu regardes, euh, avant peut-être cette année où ses stats ont descendu, si tu regardes euh, Joe Kitch mm -hmm. dans les 3-4 dernières années, chaque année, ses stats augmentent. Là, tu es en train de me dire sa stratégie, c'est d'aller dans l'off-season, rien foutre, puis il revient, puis il vous cook. Puis, oui, l'année ah. d'après, je fais encore ça il oui. beaucoup encore plus. C est, c est, hey. puis, attends, c'est un three-time MVP, puis c'est son hobby? C'est ça, ça que dire? Oui. Et puis, tu ça... veux qu'il change une combinaison gagnante? On appelle ça savoir-rest, OK? Savoir-rest. Il y a, a, a joué toute la saison. Savoir-rest. Oui, c'est savoir oui, important. Savoir-rest, et Eddie en apprendre. <laughs> savoir-rest, c'est aussi important quand tu veux comme, améliorer tes performances physiques, tu vois? Okay. Si tu, tu vas au gym tout le temps, à un moment donné, tu as besoin de prendre un break. Même chose, il joue au basket. Puis, tu regardes Jokic okay, là. Puis moi, je le respecte, ce gars là. As fuck, juste pour ça. Quand je, je l'ai vu la première fois. Jouer, j'ai dit, ce gars là, il ne peut pas jouer non. Tout, full game. Combien mm -hmm. de playoffs il a joué Je me rappelle, je pense qu'il jouait contre les euh, Portland, Portland mm -hmm. Trailblazers, contre Lilleux, puis Mikoloum. Mm -hmm. Le gars courait full court. Le gars était rendu rouge là. Comme, mm -hmm. il, il était rouge. Ils sont allés en overtime. Il ne pouvait, il pouvait pas. Mm -hmm. Il n'a a jamais sub out. Il resté là. Des années d'après, il a fait que je vais être un peu plus in shape. Je j'ai plus jamais vu le gars devenir rouge sous un collier de basket. Parfait. Puis, puis pour la même, le même point que Nikki, est-ce que tu as jamais vu Joker arriver comme Harden puis Doncich? Non, mmh. peut-être au début. Mmh. Ouais. Live, ouais, 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 live, ouais. live est-ce que est-ce qu'il arrive non. fat, non. Non. out of shape? Non. Then what's the problem? I just said que le gars n'est pas passionné. Non, pas passionné, c'est le gars fait ça comme un hobby. Moi, je joue, non, je fly pour un hobby. C'est sa carrière. Je son travail. Exactement. Oui. C'est quoi le problème Tu es tu passionné de ton, ton travail co Pas du tout. Comment exact. un NBA champion, moi, ça, je dis lui non plus. Et ça, puis ça, je dis. un êtes MVP n'est pas passionné du sport. Non, il, il travaille. Mettrai, non, mais, il il met pas les efforts. Si je suis un génie, puis je comprends mon travail facilement, c'est facile pour moi. I'm just mais do it. attends, mais c'est quoi le problème C'est quoi le, le problème d'être un très bon joueur de basket Mais quand c'est ton day off, quand tu es relax, tu pas passionné du basket, tu touches pas un court. C'est quoi regarde. le problème? Alors, c'est... Il n'est pas il veut, passionné... Il veut, il veut juste avoir Il n'est pas passionné LeBron. Oui, oui. Il est pas passionné... Non, il n'est pas passionné LeBron. C'est ça. Ah. Euh, Um, Kobe B, Jordan, Jordan. Mais tu peux pas tu peux pas non pas Lillard. Non. Carmelo. Carmelo. <laughs> tu peux pas dire oh, tu, oh, tu, peux pa... tu peux pas dire qu'il est pas passionné au basket sinon il serait plus là, là. comme il a déjà fait son Kobe il y aurait been ghost il y aurait been Booth, il est déjà champion il est déjà champion il y a déjà il, y a, déjà le il, il a, a déjà aussi. son Kobe il est déjà y est... Pendant... a déjà eu son 300 millions comme en 5 ans là écoute Guaranteed. Je il, comprends ce mais que tu dites. veux ça c'est 9 chevaux, là. Mais il y a un autre aspect que j'ai dit aussi, c'est que c'est un compétiteur. Ouais, mais on l'est. Mais si t'es compétiteur, t'es passionné. Non, il n'aime pas, pas. du basket. Il n'aime pas sa perte. Ok. C'est quoi? Let's agree to disagree. Il so, yeah, assez passionné. Move on. <laughs> yeah. Moi, j'ai pas aimé la même montée dessus quand j'ai dit il y a un mois. Poliment? Oui, oui, Vous avez tout tiré sur moi. As dit, as ah bah oui, t'as dit, Tu dit qu'à sa dixième année, il allait retire, puis ça fait déjà neuf ans qu'il est dans la saison. Dans et j'ai dit qu'il était pas passionné, vous avez dit, je suis fou. Ben oui, oui, si oui c'est oui, ce qui oui, est le oui, cas. Fou. Yo ouais. Laurent, admets le t'es cinglé, et tu sais pas de quoi tu parles quand mm -hmm. tu parles de Yo. Yo, parce que tu... si Yo, un gars, un gars pas passionné, là, mm -hmm. Yo tu sais pas comme si c'était un first overall pick, là. Il est pas arrivé comme si... Il est pas arrivé Wemby. C'est pas Wemby, là, qui est arrivé. Ouais, c'était pas Ent là, le le CV de la franchise oui, est vrai. il est arrivé comme un nobody at the time il y avait ouais. lui nurkic je savais pas c'est qui qui allait le starting big vrai. il a commencé à bien jouer là, ils ont ils ont tué nurkic et après l'espace après l'espace il est devenu le joueur c'est pas quelqu'un qui de... s'en fout là il serait juste resté comme mid level puis il aurait été off the bench là tu il aurait pris ses 20 millions par année puis il aurait jamais tout, le, ben le gars le gars kawine a devenir la star de la team franchise calibre player MVP, MVP, MVP Play. champion t'si... Quelqu'un pas passionné, là, o comme minimalement du basket. Ouais, c'est ça. Tu vois, les Olympiques, ils jouent pour sur sa team, là. S'il était pas passionné, il aurait dit je te fais à cause, que la faut que oui, la, la, la Slovaquie. Je pense qu'il vient de les, pense qu Il aime est... beaucoup son pays. Oui. Non, mais il aurait dit Il aime beaucoup mais son yo, pays. Il a dit J'aime mon pays, mais non, je ne vais pas jouer au basket. Il est passionné de son pays. Non, non, non. Il est ah, passionné de son, il, son il, pays. Il a il le il droit d'être patriotique. Oui, ça, c'est ça. Ok, regarde, regarde, tu vois, laisse un goût te décevoir. Ok. T'as pas le choix j'ai pas choix. T'as perdu choix. ce combat-là. Parce que je pense que personne ne veut entendre mes points comme mm. je te dis. Non, on écoute tes non, points. Les, tes points ne sont pas valides. Fais... Quand il va prendre sa retraite, on va dire Why you time What? so early? c'est parce, okay. si... parce que t'as vu MPJ parler de Aaron Gordon et Yo Kitsch en vacances? Puis <laughs> qu'il a straight dit MPJ a straight Z, que l'année mm. prochaine, je vais les rejoindre en vacances. En vacances! Oui! Allez chill. Le mot, c'est vacances. Rappelle-toi du mot. T'es pas obligé d'être passionné en vacances. Season. La... La -Laura, le season, il revient. Il le fait ballon. un fait En mois d'août, il est back. Comme août, septembre, il est en mode remettre dans le basket. Tout le monde a il... deux, trois il... semaines qui font rien. Hein. T'es pas obligé de toucher même, même un ballon. Probie. Mais le moment qu'il y a vraiment pas de basket, il retourne dans le Tu le sais pas, mais ça se peut qu'il est en train de roll des tires, mon gars, dans la ferme chez lui. là. Ah, ou s'occuper <laughs> de ses fait, cheval c'est il s'occupe de ses cheval mais c'est peut-être c'est physique, physique. peut-être s'il fait du training avec ça tu le sais pas vrai. Il, il y a plein de choses qu'ils disent pas mais je vais te donner il n'est pas est pas à care de all basketball shit comme tout le monde comme il a mm -hmm. dit le MVP il a dit bon je suis habitué d'être dedans <laughs> euh, comme comme je fais pas attention à qui est le voilà, MVP la première année qu'il a gagné euh, l'MVP il l'a laissé dans le, dans le locker room sais, comme, il l'a oublié dans le locker room mais lui il est pas about this il est about winning mais c'est about winning, t'es pas chaudé là. tu comprends Il est pas là, c'est pas un loser qui est ici là. C'est euh, pas un Benjamin, ou LeBron James. Tu vas comme ça. Tu vas des blastons comme ça, mais loser à côté de LeBron James. Ok, okay. KD, bon. Merci. KD, Ok, next, a next question. That. Next question. bon. <laughs> Êtes-vous d'accord avec. D'ailleurs, Shadow, le... il a gagné un BB. <laughs> Third time. <laughs> Run! <laughs> <laughs> Êtes-vous d'accord que Joker a gagné MVP? Hell no! SGA -E a dû gagner cette année-là. Mise a dit: le premier dans l'Ouest dans va gagner le, 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 le MVP. Ok c'était premier, il avait dit que tie. la ligue allait bailleuse. Mais ils sont Thaïs. Je m'en fous, qui est premier? Okay, t'es bon. es aussi. On avait okay, 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 dit... T'es bailleuse okay, aussi, okay, okay. t'es Yo. Non, non, c'est parce qu'il n'aime pas Joker. Il est Il n'est pas passionné Joker. Il toujours le broad. Joker n'est pas passionné. Il est bailleuse, il est Je ne suis pas bailleuse. On avait dit le premier de l'Ouest va gagner. On avait dit que... C'est On avait dit qu'il est gagner le méritait plus que Djokovic cette année on a, euh, parce a, non, parce a pas on aimerait plus on aimerait on aimerait plus pour ce qu'il a fait à l'équipe à la franchise Ok. l'impact qu'il a eu euh, euh, Jokic a déjà eu son impact là SJ a fait un plus gros impact cette année yes Kaza. pour répondre à ta question non je suis pas d'accord que Jokic ait gagné l'MVP personnellement je pense que Jalen Brunson aurait dû l'avoir <laughs> ok ok <laughs> 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 regarde, regarde, moi je vais aller <laughs> logiquement, ok. <laughs> <laughs> euh, Est-ce que je suis d'accord avec le fait que... Est-ce que je voulais que Joker gagne le baby? Non. Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il a gagné? Ça me dérange pas. Qu'est-ce qui me dérange? C'est... Chez... Mm. Si les codes, tu regardes les votes. Oh, mm. oh vois, merci. C'est pas compétitif C'est comme... No way, ain't no way. Euh, C'est devrait... quasiment unanime. C'est ça. Jokic tu devrais pas avoir autant de votes de différence avec Chad. C'est supposé. Parce qu'Adena de D... &D les deux teams ont fini à la même fiche. Ils ont fini à la même fiche. Le, ils ont eu un tiebreaker pour, pour les placer dans les playoffs. Mais ils ont la même fiche sur so les deux, sont premiers. Juste, le tiebreaker, c'est juste pour les placer. Ils ne sont pas réellement premiers, s'ils sont égaux. So, so ah, ça, c'est un tiebreaker. But si, si ils regardent les stats, Djokic puis SGA, leurs stats, si tu mets tout en comparatif, là, similaire. La seule chose, c'est qu'on est, est tanné de voir Djokic gagner. La oh? plupart so, ben, oh. des gens, okay. à part les voteurs. Les voitures sont très le, contentes. Les voitures voulaient voir, sont Moi, je voulais voir chaque. Shaï canadien. Voilà. Ok, si une young team qui est parti du bottom rendu ils, voilà ils le canadien. avec des Canadiens. Voilà. Can... sur. So... On est C'est ça, j'aurais voulu voir ça. Est-ce que, est-ce que tu es est obligatoirement biased. obligé d'être Shaï Non. Parce que si tu mets Shaï dans la conversation, tu mets Doncich dans la conversation. Oui, absolument. Mm -hmm. Ah mais Doncich, tout le. J'étais cinquième. Bah, je suis d'accord avec vous. C est, c est, moi, c'est le même point de vue que j'ai avec Niki, c'est que. Le vote ouais, le était vote est beaucoup fou. trop unanime. Okay. C'est ça la question. La mm -hmm. question devrait être... Est unanime. Est-ce qu'on change les gens qui votent c'est okay. Absolument. Les, re les reporters là qui ont déjà leur, leur mm -hmm. idée préconçue au début de la saison, mm -hmm. sont comme... ils ont juste besoin de voir si... Je suis pas mal sûr que là-dedans, dans les 79 ils ont voté Joe Kitch, il y en a au moins 30 qui étaient comme... « J'ai juste besoin de voir Joe Kitch avoir une bonne saison. » Puis c'est lui que je vote. Dans les 79 qui ont voté pour Jokic, si Embiid serait pas blessé, il aurait probablement voté pour 30 aurait probablement voté pour Embiid. Je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez que Joe Kimmer Oui. Bad Oui. Je préfère Joe Kimmer Embiid. Il amène des choses vraiment différentes. Et que Embiid, tu baisses tout le temps. Ouais. Kazan Définitivement, oui. Euh, sincèrement, j'étais d'accord avec vous. Après la performance, part... un gros élite Embiid. Right Tout le je... monde le sait. Mais, gars, je dois donner les fleurs à MB sur ce qu'il a fait durant les playoffs. Qu'est-ce qu'il a fait 50-piece blessé. Well. 30-piece blessé. Ble oh, come on, man. Le gars est blessé. Puis il, il, fait ça. 50, il a fait 50 game one. Je comprends. Après, ça allait moi, en pente des seconds. Game games oh, game Ouais. Mais comme Carrie, il a comme fait ah, 25-30 points. Il a joué, là. Ah, il il a a a est blessé. choix, blessé. Et moi, je me dis juste que. Mais il n'y a pas de choix tout pour 3 e 4 ème corps. Non. Il est blessé. Problème. Mais s'il était qui sont pas blessés. Je comprends que Joku est beaucoup plus résistant que lui et de loin. Je pense que Joku va être le gars qui va jamais être blessé dans toute, toute, toute sa carrière. T'as okay. hein. dit, dit ce que je vois, fucked euh, up. Pas de jamais. Mais... Ouais, mais. Mabat. Mais. Mais, ça <laughs> mais pour dire que je regarde le jeu puis je me dis peut-être que tout ce temps-là, où oui, on dit Joku, Joku, mais peut-être MB est réellement le meilleur truc que lui. Juste qu'on le réalise pas. Parce et que tu... son attitude est trash. Joku, okay, tu es un meilleur score Meilleur défensivement. Embiid est meilleur ah Ouais ça crois. ouais, ah, Embiid ouais. Meilleur scoreur, meilleur défensivement. Mais si tu mets chacun leur overall game puis leur, le fait qu'ils sont available mm -hmm. le meilleur c'est Djokic. Celui qui a un ring, c'est Djokic aussi. Donc mm -hmm. so, Djokic est le meilleur. Parfait. Alright, next question. On va, on va dans les, euh, les équipes qui ont perdu. Box, Spencer va commencer avec toi. Est-ce que les Box vont garder la, le même line-up l'année prochaine ou il va y avoir des changements? Si oui, Peux-tu me dire quelques changements que tu voudrais qu'il fasse pour être meilleur? Le... Il n'y aura aucun changement. Oh wow! Ma malheureusement, il n'y aura aucun changement parce Bobby! que... Oh, <rire> euh... <rire> Ah, I mean, you could kick him out of the team si hey tu te, si trouves quelque go, chose de go. mieux. Hey non, ne commence pas. Non, hey <laughs> non, 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 non. On veut pas Est l'attendre. Est-ce que vous savez c'est quoi avoir un gars comme Bobby off the Bench? Yeah, 0-7 zero, zero Bobby! <laughs> Anyways. Les gars, c'est bah, gars. Des <laughs> des je parle à quelqu'un pour derrière parce que à chaque fois que je parais sur Bobby, il me faisait chier. <laughs> <laughs> <Anyway>. <laughs> uh, tu peux pas tu pourrais blâmer Doc Rivers mais tu peux pas blâmer Doc Rivers parce que Kyrie, euh, Dame et euh, Janis étaient blessés mm -hmm. euh, so tes deux meilleurs joueurs ne peuvent pas t'aider so tu peux pas kick out Doc tu peux pas kick out Dame tu peux pas kick out Janis so euh, ils peuvent changer quelques pistes, s'améliorer en defense on voir qu'est-ce qu'ils vont donner au début de la saison mais si ça fait la même chose que l'année passée euh, Doc est out pas à Noël bon moi personnellement Doc devrait out live, c'était déjà le mauvais à eux, on l'a tout dit c'était un bad haïeux à eux at the ouais. euh, L'autre coach qu'ils ont foutu dehors, quand ils l'ont foutu dehors, il y avait une fiche gagnante. Comme... Je pense que c'était genre comme un 30, il en veut environ au Astor, c'était genre un 30, euh, peut-être 13, quelque chose comme ça. Ouais, je pense qu'il était deuxième dans le. Ouais, ouais. Puis Doc Rivers, lui, avait une fiche, il a fini avec une fiche genre 500. Donc yeah. so, lui, il a been lose, il a been lose, ils sont ils sont fait éliminer par les. Euh... Oui, c'est vrai qu'il y a eu des injuries, mais on sait que. On sait c'est quoi le track de Dog Rivers? So, T'es pas censé perdre les Pacers. Dog mm. Rivers should be out. First order of issue. C'est le premier bike tu mets. Deuxième chose, c'est tu vas chercher un peu de defense pour aider les euh, leaders. So, je sais pas qui. Bon, tu vois, je vois Paul George avec le C'est quoi? Essaie de flip Middleton. Chercher un gars comme Paul George. Mm c'est toi de de construire une meilleure team mais comme faut que tu aies faut que aies rajouté de la défense pour pour surveiller les comme les les guards janis va revenir puis il va il va faire ses affaires dans le lot puis peut-être remplacer comme je sais que Lopez est nice mais il commence à être vieux faut so, peut-être trouver son remplacement casam comme euh, misogol a dit Dark rivers needs to go avec euh, tanasis que <laughs> <laughs> Impossible. impossible. Et puis, moi ça me convient. Vous mettez ces deux gars-là dehors, le reste de l'équipe peut rester quand même tel qu'elle qu est. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, même Thanassis, je suis d'accord avec ça. Mais malheureusement, tu sais que Giannis Penatis, ça vient en perdre de deux. Ah ouais Ouais. C'est dans le contrat Je pense euh, que oui, oui. Oui, oui, oui. Moi, je pense que oui. Ok, c'est bon. Bon, bon, bon. alors Giannis can go too. Oh wow, <laughs> oh, wow. oh wow, ok yeah, Ok. Yeah. Um, Dark Rivers got to go. Uh, Bobby got to go. Uh, euh, puis, sincèrement, il tellement les l'écluse allaient courir après Bobby. <laughs> Jamais. Si pour ça, je peux, les l'écluse veulent perdre. Ils prendre le plus de rebonds dans ta team. Ils vont s'il pas grand chose. Ils achètent le plus de 3 points dans ta team. Tu penses qu'ils clochent comme ça Bobby Partis pour euh, le Brown James. Moi, t'as personne de cloche dans ta team. Oui, je sais, mais Bobby, <laughs> je veux pas Bobby, c'est pire. Non, non, moi. non. Bobby est plus efficient que n'importe qui dans ta team. Oui, Torium Prince. N'importe qui, j'ai deux. Le Brown James. Que, donc, de la 3 points, n'importe qui. Donne. Ok, ok. ok 3 points, je peux, je, peux, je peux débattre ça, mais pas, pas maintenant. Là, je vais faire ça quand même quick. <laughs> Bobby a gas to go. Dog gas to go. Et puis, même si je suis audacieux, peut-être Middleton, c'est qu'il ne peut pas quelque chose de mieux que lui. Alright. Next, next team, Eat, Kaza. Que, quel, quel est le changement à faire au Miami l'année prochaine? Um, je pense qu'il est temps de clean house. Ok. Donc, I'm euh, the hero out. Oh, good call. Et Jimmy le out. Il a dit clean house, tu étais d'accord. Ok, c'est bon. Okay, je m'excuse. Euh, ok, c'est bon. C'est bon. qui qui est là C'est Aiton. Bam, ma des baillots. Bam, ma bad, out. Yep. Comme je dis, dit, un rebuild parce que euh, ça n'a pas marché les dernières saisons. Et puis les playoffs, ça a été très décevant. C'est des oh, early days. Il y au final finales, comme <laughs> trois fois de suite, mais. Je t'écoute. C'est très décevant. Ok, d'accord. <laughs> pour un gars pour comme Pat Riley, c'est pas comme si... Non, mais tu penses pas qu'il est genre a piece away au lieu de tout recommencer? Mm, Qu'est-ce qui manquerait à ton avis? Non, quelle je, je, quelle je position? Ah, ben, quand ça va aller à lui. Bah, non mais c'est ça. parce que... Oui, je sais, mais il de la question. Je veux Personnellement, j'ai je... Je, été un fan des hits pour Brown James et j'ai pas vu de progression. <laughs> j'ai pas vu de progression. J'ai vu, ça stagged. Donc Moi, je suis comme, you know what, on recommence comme si un rebuild de cinq saisons. Donc, tous ça, les gars, j'ai nommé out. Ça, c'est pas Patrick Riley, cinq saisons. Mm -hmm. oui. You No know God, bah si, je vois que t'es. Um, ben, je suis d'accord dans le sens que la team a déjà atteint son pic. Um, okay. Je pense pas qu'ils vont, ils ils vont enlever Bam. Butler, je, je encore dans la team. Yep. Et je pense qu'il veut ex un extension. Il a dit Very Tire Miami. Euh, je pense pas que le veut partir. l'avant c'est que le manque vraiment trop de Tu T'es pas avec le ball J'ai besoin que tu me mettes des meilleurs seedings dans la saison. Mm -hmm. On n'a pas besoin de jouer contre les plus tough teams dès le début. Euh, ils ont besoin de point de guard. Ils ont pas de point de guard. Mm -hmm. euh, J'ai vu... Euh, comment s'appelle? Uh, Udonis Aslam qui disait que il pense que les hits sont meilleurs quand t'as le hero et six men off the bench. C'est vrai. Euh, donc, je pense que t'as... Puis, l'avant c'est que les hits ont des guards ou can't guard. Mm -hmm. C'est ça qu'ils ont. Ils ont Duncan Robinson, ils ont. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont. Jacques Wiz. Et... Jamez, Jacques Bah lui, ils ont Robinson, ils ont Tariro. Ils ont comme. La façon, ils ont trop de gars qui ont des spécifiques roles. Mm -hmm. Ils n'ont pas des overall guys. Ils ont besoin comme. Je sais qu'ils ont besoin plus d'une star comme. Des et Jimmy. Des hommes à tout faire. Ouais, mais je crois je comme. Disons, les gars de Jimmy. Grinder. Ce pas fâché de. Comme des que Donovan Mitchell peut être a free agent ou a, aller chercher un gars comme Donovan Mitchell, de John T. Murray. Yeah. Ça, ils ont besoin d'un autre gars qui yes. peut avoir le ballon dans ses mains. L'avant c'est que ils ont trop de gars qui comme sont un rôle spécifique. Ils sont vraiment bons pour trouver des gens avec des rôles spécifiques. Là, la team est remplie de ça, puis ils ont pas des gars qui peut absorber genre le l'autre surtout quand le est pas là. Mm. Et Bam, c'est ma bad, mais comme si il joue, il fait sa défense, il est versatile, mais c'est pas, pas un alpha player. That's it, c'est pas un là C'est ça, so, moi je pense que c'est vraiment trouver. Leur but cette off c'est de trouver une star, une autre star. C'est ça qu'ils qu vont faire. Fenty, vous avez tout dit, puis c'était mon, mon point de vue. Ils ont besoin d'une autre star. Tyler Hero, ain't it. Bam, ain't it. Yeah, Jimmy, quand qu il est là, il est là, mais quand qu il n'est pas là, il n'est pas là souvent. Il y aurait les Nix. Oh, ouais. Oh, ouais. Il est fou. Et puis, t'as aussi vu le verre d'alcool dans sa main quand il a dit c'était c'était oui, toi. Oui, Merci. Oui. Il était déjà sous. Il la joué. Il y a des, y a des, des gens qui, de la, de des gens qui les jouent mieux au basket que les autres gens. Oui, Alan Harrison. Jura Smith. Tu sais. Oui, C'est C'est pour dire que moi, c'est... tu gardes Butler, tu gardes Vac tout le reste, Kengo, Même Bam, Kengo. Euh, comme tu as dit, il faut des gars beaucoup plus... Euh, euh, oui, des key players, mais plus versatiles, comme tu as dit. Tout défensivement. Parce que c'est ça qui manquait beaucoup contre Tatix. Euh, On du dû leur faire un zone. Et des gang shit. Voilà, là, tu sais, ouais. à un moment donné... T as, t as des shooters, tu plein de Anyway. Alright, next one, Magic. Je vais commencer. Euh, Qu'est-ce qu'il faut changer? Rien n'a changé. Moi, je pense que il faut juste qu'ils trouvent euh, qui est le leader de l'équipe. Je pense que Panchero a commencé à, à démontrer ça a commencé à faire des, des schemes stratégiques autour de lui, comme toutes les équipes. Bon, tu fais des schemes pour ton meilleur joueur. Denver faire ça pour Joe Q. Euh, fait ça pour LeBron. Timberwolves fait ça pour Ant-Man. Donc, tu fais des stratégies pour ton meilleur joueur, pour qu'il puisse euh, marquer. Et puis, that's it. C'est ça qu'il faudrait qu'il fasse. Ça? Euh, je suis d'accord avec toi. À part pour euh, la position center, je pense que s'ils auraient un solid center… Plus que qu'est-ce qu'ils ont en ce moment, mm -hmm. ça les euh, pousserait au VDH. Edge. Mais à part ça, le reste de la team, ils vont bien se développer ensemble. Spenty, euh, ils n'ont pas grand chose à changer, ils sont vraiment jeunes. Euh, les Wagner Brothers sont forts. Oh. Moi, je, comme, comme Freeman disait, ils ont besoin d'un center. <laughs> euh, je pense que Mo va step up l'année prochaine. Il va être un petit peu plus dominant. Il va avoir plus de minutes. Euh, Banquero va s'améliorer, France va s'améliorer. Euh, il, il manque un petit piece, il manque peut-être euh, un autre scorer, un autre off-the-bench guy. Mais à part ça, euh, ils, ont, ils ont une bonne petite team, ils rien avec une bonne petite team. Je regarde. Euh, moi, je regardais les Magic for real, for real. Mm -hmm. Ils ont besoin de shooting. Oui. Parlo s'est montré comme étant le joueur de la team. Il joue avec un blend de genre LeBron et Carmelo Anthony dans son game. Genre, on lui demande de vraiment distribuer la balle beaucoup. Puis c'est pour ça qu'il a fait beaucoup de tenue mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas de point guard. Il n'y a pas de point guard. Suggs, Fultz Cole Anthony, c'est tout des combo guard. Et now, que des que c'est vraiment des, comme des meneurs de jeu. Des so, one-guards. C'est ça, ils ont besoin d'un meneur de jeu. Ils ont besoin d'un um, un shooter qui peut shooter à, comme un bon clip. Là. Comme les gars, c'était horrible. Là. Comme, si personne n'entrait leurs trois points. Euh, so, je dirais... Le, le, le center s'est bien passé, pourtant moi je pense c'est vraiment meilleur de jeu puis trois euh, points. J'ai vu que j'ai Clay Thompson est pourrait être intéressé. Mmh. Ce serait une bonne place pour mmh. lui. Euh, et... Une bonne place. Moi, je suis, pour moi je suis de, 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 de l'idée que Magic devrait aller chercher. Euh... Non. <laughs> si tu peux avoir Clay ou Ron Clay. Ah, ah Clay J'aurais pu s'envoyer Booker personnellement. Booker. Pourquoi coup, ils font trop de millions, ils ont besoin ouais. de 3 points de deux Ah oui, s'il y a une équipe qui a du... Du, euh, du house money, du, du, du mileage pour donner à, au Sun, ça peut être le Magic. Magic, ils ont de l'argent plus. Je pense même, même Paul George, il, il pourrait le prendre. Genre. Moi, je Pas bon de leverage. Ray young, t'as maintenant un playmaker. Okay. Si tu rajoutes quelques shooters comme... Euh... T'es bon. Ok, Robertin. Ok. Uh, next one, dès que j'ai rajouté. Non, non, c'est bon. Uh, les Clippers. Les Clippers, c'est une différente question. Est-ce que les Clippers vont détruire l'équipe? Si oui, qui va rester dans les Superstars? Ben, tu sais quoi? Non, je vais laisser Spenty commencer là-dessus. qui va en nettoyer? Ils peuvent pas. Parce qu'ils sont tous tied down à des contrats. Oh, no oui. Bon, à, à part Paul George. Mais c'est le seul gars que j'aurais pas donné. C'est <laughs> pas juste en bas. Je pense que Westbrook aussi, peut-être. Ouais, Westbrook et Paul George, ça fait du sens. Moi, l'équipe au complet, je détruirais. L'équipe au complet ne marche pas. Mais s'il y a une personne avec qui je garderais, ce serait Paul George. Puis that's it. Moi, j'avais dit, signez pas Kawhi, donnez-lui pas l'excuse de pouvoir... Ah, C'est vrai. Ils l'ont <laughs> signé just after that holiday, he got injured. Kawhi est signé, Arden est signé. J'aime un... bien le game de Kawhi, mais je l'ai vu dans le passé. Maintenant, je suis... Les yeux sont ouverts. Le gars est dead. Worst superstar ever. Il ne peut pas jouer. Il C'est Ben Simmons. <laughs> non. Second second worst, Super worst yeah. superstar. Ben Simmons. Worst star. player. Quand okay. <laughs> <Dans laughs> il est available, il est nice, mais il n'est jamais available. Okay? Dans les quatre dernières of the playoffs, je pense qu'à chaque fois, il y a joué comme une ou deux games. Mm -hmm. so, tu ne peux pas jouer quatre games en quatre années de playoffs. Les deux Donc, qui ont joué, joué, ils ont perdu. So, T'es ex, expected de come back à une certaine date. La date arrive, tu joues, puis après, puis après tu, tu te blesses sur il, le même genou. Il était out, ils ont gagné la première game, il est revenu, il a perdu, il n'est plus jamais revenu. Non. What the <laughs> fuck is this? Okay? Yo, c'est toi, toi qui es supposé la star de la team. Yo, Kawhi, c'est le, le premier game. Moi, je suis les clippers, je ne sais pas pourquoi ils se sont, ils se sont attachés à lui. lui. C'est une enclume. Yo, ils sont en train de couler dur. Kawhi était le premier out. Comme je t'ai donné. 4 ans, du... ans pour me donner un playoff run. You never did. You never did. C'est quoi qui est pire? Ton meilleur bagage, c'est le bubble. Kawhi, <laughs> qui a eu la même blessure comme constamment pendant 4 ans. Ou ouais. Lonzo qui a pris 2 years and a half off et qui va revenir. Lonzo, à... <laughs> mon chien. 0 point mon chien. Lonzo devrait retourner <laughs> commencer de G League. De... Overseas. Oh, oh. Je ne reconnais pas votre game. My Yo, Taiwan. C'est sais quelle fois tu as joué? <laughs> <T 'es laughs> Taïwan, mon gars. Taïwan, oh. China, China. Toujours un nouveau injury. Tu you n'as know. même pas touché le quoi, tu te Il n'a hey, pas goût, encore touché le quoi. Il était chaud, hein? Il était chaud sur les réseaux sociaux. Oh. I'll be back. Hey. Where you at? Ah, I'm still looking for you. Mais ouais, sinon, Westbrook, je laisse Facebook aller dans une équipe. comme... Facebook, j'ai vu une autre affaire qui dit qu'il n'aime pas vraiment le six-man role. Euh, je laisse Facebook aller dans une team puis essayer de faire whatever he wants to do. Oh, it's... <laughs> Non. Il ne veut pas une équipe trash comme ça. Je ne pense pas à dire. Puis, c'est ça. L'équipe. Non, tu commences à zéro. La, la façon que les gars ont acheté un nouveau stadium, ils n'ont pas le choix, ils ont besoin d'une star. Mais pour de vrai, les Clippers les sont in the mode. Yeah, ça? Euh, moi, je veux Harden out. Même s'il si est tied out. Euh, Westbrook, c'est un journeyman. Maintenant, à chaque saison, il, il change d'équipe. donc so. c'est inévitable. D'accord avec ce que Spentie a dit, je garderai Paul George. Et Kawhi, écoute, maintenant que vous êtes chaco à lui, vous allez devoir deal avec le fait d'avoir moins de leverage puis un gars qui joue pas. Euh, J'essaierai d'essentiellement trouver le même player que lui puis rely sur ce player là au lieu d'attendre que Kawhi décide de jouer. Donc euh, c'est ça, mais oui, on blow up l'équipe. Je suis d'accord avec ça. On bloque l'équipe. Puis j'aurais juste rajouté que si Kawhi va jouer Six men sur le banc Bandman, ça t'sais, rendu là, c'est mieux qu'il fasse ça qu'on met sur lui puis qu'il nous la grine ah, Il est déjà sur le il banc tout le temps. Euh, so... payé quelqu'un payé, a payé, pas payé payé quelqu joué euh... Six men il joue 26 minutes. Ouais, men il joue à Six Man qu'il veut juste rester sur le banc ouais, Il veut juste pas payé. être habillé. Il est payé. Pourquoi joue Six men il, il est payé le même salaire que si il, même, un il est là, ouais. ça c'est son problème. Quand il est là, il, il dérange. C'est le problème. Mais il est jamais là. voilà. Why would he be Six men Alright, là on commence avec les vraies choses. Les games qui sont live. Pacers versus Knicks. Euh, Est-ce que les Pacers vont se faire. Là c'est 2-0. Est Est-ce que les Pacers vont se faire sweep par les Knicks On va commencer avec mon boy Kaza. Tu peux y aller. Euh, non, je pense pas. J'avais call Knicks en 6, mais j'ai changé mon pick à Knicks en 6. Je pense que Pacers va avoir un. Euh... Les Liqueuses, un, un ego donc essayer de gagner une game, réussir à gagner une game, mais pas plus. Euh, je ne suis peut-être pas d'accord avec toi. Euh, moi, je pense que les Knicks vont les sweep. Je pense que Bronson, euh, il veut ça dans sa carrière. Il veut dire j'ai sweep une équipe. Yeah. Je le voile à mer qui joue, c'est un dog, non, un sweep. Mais au oh God Regardez. <laughs> oui, Bronson, c'est un dog. Comment on. game, game one, game one. Game one <laughs> les refs ont dit. Lino, Lino, gang. Lino, okay, non, New York. Uh, next week, New York. Gang, C'est rare que je dis it is what it is. C'est pas toute la game. À la fin de la game, dans, les, dans la dernière minute de jeu. Mm. Futures. Non, ça fait chose. Il y a eu un handball. Mm. Non, non, un kickball. kickball. Le gars a clairement tiré la balle avec sa main. Le F a dit kickball. Parlé. No, review, no review. Il a dit no review. C'est pas reviewable. Kickball, c'est kickball. Il a donné un 2 points. Qu'est-ce qui est arrivé Ils ont pris un 3 points. Après ça. Puis sur ce jeu-là, qu'ils ont pris trois points, Division 2 a fait un, un moving pick. Un moving, ouais. Ils pas coller le pick. Et même moving pick arrive de l'autre bord, ils collent le on, moving pick. c'est un flop. Ouais. Puis juste avant, d'un jeu, pour faire que um, Paceuse utilise un challenge, mm Halliburton, -hmm. um, pour que la balle dans les Mets Brunson, ils disent foul. Le coach utilise le challenge. Ils disent, OK, ce n'est pas un foul. Le prochain jeu, les gars, ne peuvent plus utiliser le challenge parce qu'ils sont out of challenge. Uh, les refs, pour moi, c'est cette game-là. C'est clairement bon trash. Mm -hmm. Comme ils étaient pro nix, C'est des gars qui étaient pour des nix. Mais seulement à la fin, right? Ouais, à la fin. Okay. à la fin. comme À la fin, ils ont dit non. Il faut s'assurer que. Parce que oui. PC avait l'air de vouloir gagner. Ennuyeux. Il, oui. Ils ont dit non. Vous n'allez pas gagner. Game 2. Ça, c'est Bronson. Il est un dog. Si n'était pas là, il oh, wow. était blessé. Il est revenu au half. Et, yo, il y a juste Masterclass. Il est un cook. Je sais pas pourquoi les gars ne trappent pas Bronson. Je sais pas pourquoi. Comme... Il est sur Bronson. Whatever. Anyways. Mais le je pense. Après avoir vu ces deux games-là. Parce qu'ils ont vraiment compétit chez Nix. Je pense vraiment qu'ils sont capables de gagner une game à la chez eux. Yeah. Mais je pense que ça va en 6. Je pense qu'ils qu sont capables de gagner peut-être même les deux games chez eux. Euh, parce que logiquement, ils étaient, ils étaient supposés en style 1. Um, so, je vais aller avec euh, Nix en 6. Puis il y a un autre bail que j'ai remarqué. On sait que les Nix, euh, c'est un petit boulot, fait jouer ses joueurs beaucoup. La Brunson s'est fait mal. Aninobi s'est fait mal. Um, plus les, plus les, les, les gars jouent, plus ça commence à break down. Puis ils ont eu des heavy minutes contre et c'est une Josh Hart aussi là. C'est ça. So so je serais pas surpris que on Il mené... est pas encore come off the, the floor pour les 10 derniers corps. C est c est ça. Fou. So so je serais pas surpris que on les gars, les, les, les joueurs de Knicks viennent donner une vieille game juste parce qu'ils sont. On veut c'est ça. Je suis tout d'accord avec vos points de vue. Le seul point de vue que vous avez pas donné c'est le fait que les Pacers et le bench des Pacers outperforment euh, leur compétition complètement. Euh, ni Smith, McConnell, euh, Obi-Toppin, Ben euh, Shepard. <laughs> <Comme tout, rire> bah, je ne veux pas dire des non-names, tu sais, Obi-Toppin, on, on, on le connaît, mais, mais oui. tu sais, ce n'est pas un stud. Euh, McConnell aussi, ce n'est pas un stud. Euh, puis, euh, je ne me rappelle pas du premier mot, Nismith. Le, Nismith, Ni Smith. Ce n'est pas des studs. Non. Euh, ils viennent faire des 20, 15, 17, 18 points dans, dans les games. Euh, le bench des Pacers garde, les garde vraiment dans une game parce que ali Burton fait absolument fuck all. Cool. Mmh, cool. cool. So, euh, je suis d'accord avec votre point de vue que les Knicks commencent à run out of energy puis ils doivent prendre une game off. Mais le bench des Pacers aussi va run out of energy puis. À mon les shots ne vont pas rentrer. Non mais je me dis, si le bench runoff, ça se peut que le starting lineup pick-up. So mmh. Le starting lineup a pas pick up n'a pas pick-up depuis le début de la... la non mais la, la dernière game, Ali Burton a fait en haut de 20 points. 34 so... points. C'était la, la première fois. C'était pre la première. Bon, Parce toi, il a fait 6, il a fait 12. 12 il a fait 34 points tout d'un coup. Non mais, non, mais dans, dans l'autre game. Ah, ouais, euh... Sur, sur toi, qui a qui regardes PC, tu crois qu'ils vont perdre en combien Moi, j'avais mis les Knicks en 4. Il les swap. Hmm. Non non. Okay. Je te regarde box. Non non non. Je je dis pourquoi je dis ça ok. Comme Mizogod l'a dit, on a still les refs ont still game one. Hmm. Je pense que et puis même Pac McAfee en a parlé dans son show là. Tellement c'était flagrant. Basketball je pense God. Que pour even out les choses, ils vont voler une game à New York <laughs> et la donner à Pacers et ça va être la game qu'ils vont gagner. Comprend. Est-ce euh, que est en train de perdre son stardom? Même si y a eu une bonne game. Euh, sincèrement, je pense que oui. Malheureusement, euh, on, on peut accueillir qui est blessé, mais non, là, tu as tellement eu un gros rise durant la saison. Tu as tellement été un stud en début de, en début de saison. Les gens t'ont mis vraiment, vraiment haut placé comme être la face des pêcheuses. Là, depuis la moitié de la saison et les playoffs, tu ne donnes rien du tout. Sola est en train de tranquillement perdre son stardom. Puis malheureusement, quelqu'un d'autre comme Bénédicte Mathurin ou un autre comme Miles Turner, s'ils ont une très bonne saison l'année prochaine, ils pourraient prendre la place à Liberton. Très bonne saison, je le répète. A euh, Non, je pense pas qu'il perd son stardom parce que leur saison n'est pas encore finie. Je pense qu'il peut revenir et uh, turn things around. Donc non. Euh, c'est pas fini, mais c'est dans la mauvaise direction. <laughs> Yo, comme le Stardom, pour le reste, ça se fait en playoff um, wow. Tu peux finir, en, tu peux perdre les players te faire éliminer, mais si on a chaud que tu as fait, tu as tout fait pour gagner, tu vas être star. Yo, on ne veut pas des points qui, qui shoot ex juste six shots à thème dans un game. Là. Fou, là. Et La star de l'équipe, tu es en train de perdre. Moi, je sais que tu es un playmaker, mais tu dois dire, j'arrête de donner la balle, puis je vais scorer. Et pour les gens qui écoutent euh, des mangas là, qui les animent, mm -hmm. okay, Kuroko nos Basket avec Akashi. Voilà. Mm. Yo. I don't need you, OK? <laughs> vous êtes juste des peces. Je vous donne la balle. <laughs> Now, I'm going to score. C'est ça, on a besoin de toi. Genre comme, quand tu es le leader, tu dois savoir que mon comme Chris Paul, c'était un, un playmaker, mais yo, quand il a besoin de scorer, il, il go get, go là. Oh, Donc, quand vous êtes trash, à New yo, quand vous êtes trash, il vous dire que vous êtes trash, puis je vais scorer. Tu comprends? Il mm -hmm. faut que l'équipe soit capable de se dire, OK, il nous donne la balle, mais c'est un dog, il va aller attaquer. Genre. Je l'ai vu, on lui a donné un ballon en fast break. Il y a un layup. Easy. Il regarde en arrière pour faire une passe. De nos Il a fait tellement souvent, mon gars, dans n'importe quel game. What are you doing? Comme prends le point. Que, pour revenir dans les games, prends le point qu'on te donne. Okay? Parce qu'en playoff, c'est dur de marquer. Il n'y a pas de. Je skip des parce que. oh oui, je suis un bon passeur, je vois tout le court. Dans Easy 2, prends le Easy 2. Un jump shot, prends la jump shot. Et ce n'est pas de, de feed euh, uh, Siakam bah, avec mm -hmm. un, un four, avec a fancy bon pass. Puis il va manquer la 3 points. Tu comprends? Si tu peux rentrer la shot, rentre la shot ça j'ai à dire pour mais il, <laughs> il s'en va vers le bas si step up pas les deux prochaines games comme ⁇ it's over ⁇⁇ Oui, c'est félicitant, il fait sweep, be off, ok. It's over. Be <laughs> off. Si il est off, c'est félicitant, il est off. On n'a pas encore parlé, mais on va en parler, j'imagine, dans pas long, mais il y en a un qui est show up, puis il y en a un qui son stardom est en train de monter à cause des playoffs qu'il est en train de faire, c'est Ant-Man. Donc, so, si tu m'entends, Tyrese Halliburton prends exemple, il step up. Tu peux regarder la caméra là. Josh Hart et OJ Inoubi jouent du très, bien, du très beau basket. Est-ce qu'ils pourraient gagner Est-ce que les Knicks pourraient gagner cette série sans eux 20 euh, Oui, 100 Brunson peut marquer 50 any, any even day. C'est une série live là C'est une série live. Quand quand les... C'est une plus... série live. Yeah, oh non Comme. Puis, c'est juste Brunson qui score. Ils ont, ce qui fait la différence pour les Knicks, c'est des gars comme Hart qui viennent prendre, qui viennent prendre 12 rebonds. Il voilà. vient prendre au quatrième, qui vient prendre toutes les offensive rebounds, malgré que c'est le plus petit. Il vient, il vient prendre les offensive Mais rebounds ça, sur les centres. La différence, c'est le effort. Bruce okay. Brunson les amène. Les PSUs ont autant d'effort que les, les, les Knicks. Un ah, peu ce que tu as sur un PSU. Enfin, parce que si tu regardes les, chaque fois le quatrième quart, puis les deux dernières games, les Knicks gagnaient. Quatrième quart arrive. Et non, les, les pceus gagnaient, 4e quart arrive, les, les Knicks augmentent leur niveau d'intensité pour les rebonds, pour les loose balls. Puis c'est là que les les se font prendre à chaque fois. Joshua, tout de coup, au 4e quart, on dirait que c'est lui qui touche tous les ballons. Mm -hmm. euh, il de OG, même Oji, il vient prendre offensive offensivement. offensivement, il est là. Euh, je pense pas que... Si c'était juste Brunson qui devait scorer et qu'il n'y avait pas ces gars-là qui venaient faire des effort plays, je ne pense pas qu'ils gagnaient autant de games. Je pense peut-être même qu'ils auraient été éliminés déjà. Euh, je pense pas que c'est tu peux jouer au basket juste à scorer scorer puis fin finit pas so, moi je pense que sans ces deux gars-là les Knicks c'est comme l'identité de Knicks ces gars-là genre comme sans Hart et non Knicks Mad ah, Ravioli C'est you Mad One <laughs> <laughs> She was so good Kaza vas-y euh, j'approuve avec euh, vos deux points oh, vos deux points lui a dit que Brunson il... peut le faire seul. seul il lui dit 100. Il lui dit, il pourrait pas gagner sans les deux. Tu dis que Brunson peut faire tout seul Non, non, toi. non. Ok. Je pense que on peut gagner cette série avec un des deux joueurs, mais pas sans les deux. Ok. Ok. So, là, un... Oji est blessé. So, uh, on va voir. On peut, on, voir. On, peut, on peut still gagner, mais si Hart tombe, c'est chaud. Moi, je suis tout à fait d'accord. Si on perd les deux, c'est terminé. Euh. Moi, je believe encore que Josh Hart est plus relevant que Wendell. C'est mon message toute la playoffs et la l'année prochaine. Les gars, je vous parle, c'est chier. Même s'il va revenir, Josh Hart, et si Josh Hart a les mêmes pression du ballon que Wendell avait durant la saison, je pense que Josh Hart va avoir plus de points et mieux que lui. avoir la saison prochaine, tu vas Paris de Josh Hart, voir ce qui va se passer si tu vas pas prendre des Hills. Mais ça va dépendre si Je prend tous les ballons. Si on, on donne les mêmes, mêmes stratégies, les mêmes schemes à Josh Hart, je, je préfère l'effort de Josh Hart, offensivement et défensivement. Non, Josh Hart va faire des, des affaires-là des, à des key moments. En playoff, où tu as besoin du, du energy guy. Mm -hmm. En saison où les gars ne met pas d'autant d'efforts pour quoi que ce soit. Il faut un Randall. C'est pas ah, qu'il faut un Randall, mais tu ne vas pas avoir Josh Hart, faire ce qu'il fait. Je eh. comprends. Mais sur cette série, « You need both of them euh, », un des deux, comme Kaza a dit, c'est « dead ». Euh, donc, je suis, suis, suis d'accord avec ça. Euh, bon, l'autre question, on a quasiment répondu. Casa, c'est pour toi. Est-ce que les Knicks pensent toujours à Randall pour l'année prochaine? Allez, ça oui. <laughs> oui, les Knicks pensent euh, encore à Randall, mais je pense qu'ils ont un rôle différent pour lui en tête, considérant les bonnes performances de l'équipe cette saison, surtout en playoff. Moi, je pense qu'il ne pense pas à lui. Son contrat, je ne sais pas combien de temps il termine. Il est simple pour combien de temps encore, Bundle ouais. Je l'ignore. Ok, ben, si son contrat est terminé cette année, il boue. Bon, le, le, je pense qu'il va partir. Il va partir. Il va, ce... il va partir ou on va le trade On va le trade. Ok. On va le trade. Moi, je pense qu'on va le trade. Tu veux ce dans le main de la team, c'est. Bundo, <laughs> toi, tu es un trade piece. Tu es un asset. Tu mm n'es -hmm. pas un gars qu'on a besoin sur le court. Um... Peut-être qu'ils peuvent le garder, ils, peuvent, ils ont ce luxe-là, mais moi, si je suis les Knicks, je veux build sur ce qu'on a, euh, je vais aller me chercher une autre star, vraie star, pour pair avec Brunson, euh, pas Randall. so Randall, c'est irrélevant dans la team. Oh, bye type. Uh, on a vu Hardenstein step up durant les playoffs. Mm -hmm. uh, Dante DiVincenzo step up durant les playoffs. Josh Hart step up durant the les playoffs. C'est une connerie. Exact. So, Donc uh, on a vu que Julius Randle était juste un piece qui était un luxury piece, Et tu petit peu débarrasser putting for, for better things. Exact. Yeah. Bon, that was it pour Pacers versus Knicks. On va aller avec Timberwolves versus Nuggets. <laughs> 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 vas-y, vas-y. Now, now you can talk. On va écouter okay. vous. What did I say? Je vous ai dit. Ant-Man jouait du basket incroyable. Je vous avais dit que c'était le next big thing in the league. On m'a regardé comme si j'étais fou ici. Mon cochet, Balani, m'a regardé comme si j'étais mêlé. Je m'ai dit qu'elle quel jouait comme du MG Performance dans les playoffs. Je l'ai colle. Oui. C'est pour qu'on a été On n'a pas dit qu'on n'était pas d'accord. On m'a regardé avec des regards bizarres. De, mm, I'm not so sure, we'll see. On, on, on t'a dit poser avec ton take. Guess what? Reviens là-dessus dans pas long. Et là, je reviens là-dessus <laughs> and I'm winning. Moi, j'ai dit qu'il pourrait faire ce score-là, ces stats-là, puis s'il perd. I là, told je... you. Moi, j'ai dit non. Parce que si t'avais dit si un gars fait 40, il va faire 50. Oh, mais... Because he's that guy right now. Maintenant, êtes-vous surpris de la série contre les reigning champ les, les champions? Spenty, commence. Euh, malheureusement, je ne suis pas surpris. Oh! Euh, Jamal Murray, Injured, mm -hmm. on le sait depuis le début des playoffs. Euh, puis, shout-out aux Timberwolves, leur défense, mm. leur perimeter defense, est euh, big, tall, euh, et gossante. Euh, puis après, leurs deux bigs contre 2-on-1 contre New c'est complètement illégal. Donc, so, s'il y avait une team qui pouvait battre les Nuggets, c'est bien les Timberwolves. Ils sont en train de le prouver. Zogad? So Moi, je suis surpris. Euh, comme je disais, je pensais que les Nuggets c'était. Ouais, je pensais pas que le Murray. Quand je vais pas prendre l'excuse qui là, ici, je pensais vraiment que les, les gars sont réussi à faire des comebacks sur les, les curse où j'étais comme. They were eh. too good to go. Les gars sont trash euh... là. <laughs> 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 tu regardes le dire ah, <laughs> euh, là. Là, tu je, je regardais la game. La game 2, les gars se sont fait péter, mais les gars ils jouaient contre le ref. Comme Murray jouait contre le ref. Il y a même essayé de lancer un bail sous le ref. Mm -hmm comme il était, <laughs> ce gars là n'était pas dans la game, cette game était fini. Mm -hmm. La first game par exemple, les, ils ont per, euh, les, nuggets, les nuggets ont perdu. J'ai moi pour moi, si je suis le coach, j'ai vu j'ai déjà vu comment gagner contre les les, les comme les Timberwolves game 1. Ils ne le font pas. Okay, je ne sais pas pourquoi comme il voit, Go, il voit Gobert, dans le pain, il dit fou, il attaque Gobert, mais quand il y a la 3 points, il shoot pas la trois points, il est hésitant. Ils ont mis des gars comme Peyton Watson. Là, t'as vu que Gobert gardait Peyton Watson. Peyton Watson, il est trash. Ouais, je l'ai vu chanter un ball. On sait déjà c'est quoi la stratégie contre Gobert. Ils n'ont pas l'effectif pour le faire. Euh, la défense de Charlotte à la défense de Minnesota, ils sont. Ils sped up. Ils sped up. Ils font jouer euh, euh, Denver beaucoup plus vite. Comme Denver, c'est une équipe qui joue slowly. Ils arrivent, ils font leurs sets, ils font, leur set, font leurs affaires. Mais tellement ils sont emmerdants. Ils il, il Relentless. C'est ça. Les gars rush leur play puis ils n'arrivent pas à faire leurs affaires comme bien mais moi je pense que la série est off parce que Murray est pas focus mm. Murray est pas focus sur so, comme les bonnes choses Il y a pas de call il, il, il commence il commence à parler avec les refs mais dans le fond es juste fâché parce que tu rates tes shots c'est toi qui joues trash comme c'est pas les, les refs doivent pas te bail out je crois que dans la game tout les refs étaient méchants les deux bords par exemple comme aucun call pour les Nuggets aucun call pour les euh, Minnesota c'était comme ça c'est tu peux foutre un coup de poing à quelqu'un puis <laughs> no call no call so, je pense y a pas aimé ça mais je pense que yo, les gars peuvent. Ils peuvent comme comeback Je, je pense pas que la, je veux pas dire, la série est quand même finie, mais ils devraient être capable de fight demain. Demain, ouais. Mm -hmm. euh, ouais, demain. Aujourd'hui, c'est Mavs qu'on... Ok, okay. C est, c est, c est... Euh, Étant donné que j'ai beaucoup d'argent sur la série, je refuse de dire que je suis surpris avec les légendes de... <laughs> avec Roxanne! <laughs> Je ne suis pas en train de stresser. <laughs> si j'ai le dit, Denver allait gagner en 6. Donc, en ce qui me concerne. gagner les 4 prochaines games Exactement. <laughs> Minnesota de va perdre les 4 prochains matchs. Je vais gagner mon argent. Si Denver <laughs> gagne cette série, juste, ça peut juste être en 7. <laughs> je, 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 pour lui, je dis ça. Ouais, pour lui. Ok, c'est ouais, ouais. ça. Donc, ça. Oh, je ne suis pas d'accord, mais Agui, tu dis ça. Il ne va pas gagner 4 games de suite. Impossible. Ok. Euh, mais je vais te dire que je suis surpris qu'ils ont. Voler deux games at home chez Denver. ça je ne m'attendais pas à ça. Donc, euh, mais écoute, la série n'est pas finie. Je pense que Denver. Tant que ce pas 3-0. Vont se réveiller. Tant que ce n'est pas 3-0, comme tu as dit. Non, même si c'est 3-0, je pense que Denver Tant va se réveiller. Ouais, 3-0, c'est fini. <laughs> fini. Bon, écoute, est-ce que je suis surpris? Oui et non. J'avais dit, j'avais dit Timberwolves en 5. Mais là, I guess, on peut juste dire en 4. Euh, oh. j non je me suis trompé, j'aurais dû dire Hitman en 4. J'aurais dû dire Redman, Timberwolves en 4, j'aurais dû dire ça. Parce que j'avais dit en 5. J'ai jamais dit Denver. J'espère que j'ai les 8 seats. J'ai jamais dit Denver, j'ai dit Timberwolves en 5. Là, ça va être en 4. Euh, tout ce que vous avez dit, c'est ça. Mesogone a, a dit vraiment tout le résumé qu'il fallait dire. Les gars jouent trop rapidement pour Denver. Denver n'a pas la capacité. Euh, pour jouer à cette vitesse-là. je on ne joue pas son basket depuis les queues. Là, il joue encore moins son basket. Et c'est easy win. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est est-ce que Malone va s'ajuster correctement Puis euh, Marco Polo Junior, c'est la vraie menace. Je pense qu'il faudrait arrêter faudrait que. Marco Polo Junior, quand il rentre c 3 non, non, non. Il a fait quoi depuis le début de la non, série Rien parce qu'il s'est fait clemps. Il s'est pas fait clemps. Marco Polo Clems. Junior marque ses 3 juste contre qu les queues parce qu'on laisse wide open. Le partner est fucking 6-10. Il n'est pas capable mm. de drive and dunk. Ok il y a le ballon en haut à trois points ouais. il il va dribbler son partenaire il va au panier comme toi le ballon a... donc finish là ouais, ouais, ouais. le gars va pour un genre de fraudeux, il comme il y a aucune agressivité en lui mm -hmm. comme bro, est il est la... fini il pas comme un comme dude. toi je pense que tu tu l'as pardonné comme fraudeur mais c'est bien style un fraudeur là ah, ouais? c'est un luxe c'est yeah. un high hand shooter comme c'est comme as overpay pour un gars qui fait juste shooter des trois points <laughs> c'est tout comme tu paies euh, tu paies genre gars 20 millions par année pour qu'il fasse juste ça mais tu, tu pars comme si c'est ton troisième piste dans la team c'est pas ça là c'est okay. j'aimerais pu avoir Duncan Robinson puis moi, him, et Mbaye bon alright then c'est fini Alors, on clame ce qu'on clame que les gars vont commencer à faire trash and it's an easy win euh, next question bon on a déjà dit que comment s'il pouvait revenir est-ce que Edmond est le meilleur joueur dans les playoffs présentement ça non je pense que c'est Jalen Brunson euh, oui, Hatman est le meilleur joueur présentement. C'est très serré entre euh, uh, Shea, Hatman et puis Brunson. Euh, J'attendais de voir si tu mettais le nom de Brunson dans, dans l'équation. Oui, Brunson, il, il est là, il est là. J'allais peut-être dire Luca à un moment, mais ah. Luca est pas, est pas assez consistant. Même chez, même Shea. Moi, oh, Shea aussi. il ah, y a Brunson puis puis J'aimerais juste rajouter comme um, fact. Et depuis 1993, Brunson, Michael Jordan, Jordan Brunson est le seul joueur qui a scoré 40 points dans 4 games consécutives. C'est pour ça que j'ai donné cette réponse. C'est un, bon, un bon stats. Je vais aller avec Bob God. Brunson aussi parce que moi, je l'ai vu show-up dans des tight games. J'ai vu dans des situations qu'il il était en train de perdre. Oh. Il y a du comeback. Il a montré du heart. Quand tu tellement bon contre Edmund, tu te ça comme ça. Non, mais ce que je veux dire, es, <laughs> si tu n'es pas dans des situations... Ou que, comme tu dois vraiment faire des choses difficiles ou tu as le stress. Comme Là, il joue, il y a toujours un big smile. Comme... Comme... On ne l'a pas vu quand il est off. J'ai vu Brunson jouer une trash game. Mm. Il est style carry, faire les big shots, gagner la game. So, Je suis obligé de prendre Brunson comme le MVP. Mais il est trop bon pour être yeah. dans les trash games. Mais non, tu sais jamais. Il peut avoir un, un mauvais shooting night. You see. R MG Performance. Right now, c'est un 1A, 1B. OK. Euh, Brunson, comme, comme Freeman a dit. Hazard. 4 games vrai. back to back à 40 points. Mm. Ant-Man, je pense qu'il y en a pas, pas back to back, mais il y a genre deux ou trois games de 40 points. Exact. Euh, les deux sont en train de se pas pour leur team. Euh, je peux pas vraiment choisir de gagnant présentement. Okay. Les deux sont équivalents. Fair enough, fair enough. <laughs> alright, alright. Est-ce euh, que Jamal Murray est seulement incroyable contre les Lakers, mais ordinaire contre le reste? Attendez guys, pensez à la saison. Pensez à tout ce qu'il a fait cette année. Pensez-y. Regardez les stats, prenez votre téléphone s'il faut, prenez votre temps avant de me répondre. Ouais, je connais bien. Moi, mes... Mesogold commence. Parce... On, on connaît tous mes et il, il est pas cette année. Bon, et... non, donc qu'est-ce qui se passe alors Devient quoi alors oui. M'a regardé quand j'étais bizarre. Encore une fois, m'a regardé quand j'étais bizarre. Comment donc il est quoi alors T'as dû avoir sa semaine disputée à respirer non, comme je... si j'ai blasphème. Non, oui. Ce qu'on a dit. Si on va avec le, le, le track record c'est un, un playoff performer. cette année pour la première fois de sa carrière il performe pas donc il est ordinaire non oh. ah ok dans ce slide, ok oui On peut dire ordinaire c'est un a regular player un regular point goal qui a été champion like one year so Embiid est un regular player Embiid J'utilise ton même point de vue. J'utilise ton même point de vue que es en train d'utiliser pour a Jamal avec MBD. MBD a, a fait des average, des stats incroyables. Qu'est-ce que Jamal a fait bah, Jamal, il joue. À part des clutch il, shots, pas ne joue même les pas il, même pas a, de, il y a Déjà, fait déjà non. les clutch shots, je m'en fous du nombre de points qu'MBD a marqué. Déjà, les clutch shots sont plus importants que qu'est-ce qu'Embiid a oh, fait. Oh, oui, really bah, MBD est où C'est-à-dire que. MBD est où MB, 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 C'est grâce à Joker. C'est grâce à Joker que j'ai mis encore là. MBD est où T'as 4 Cancun. Qui a fait les game winning shots Maxime, elle, a, ma, 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 elle a perdu du temps. <laughs> elle a perdu du temps. Merci. Murray, that's, that's my no. point. Murray ne donnes pas de stats. Ouais, si tu n'avais pas de joker, Murray ne peut pas faire ces shots-là. Le record. Faire que. Merci. Murray ne vient pas faire les playoffs from minutes où il. MBD elevate... est ordinaire. C'est chill. As... Non, tu ne pouvais pas passer. Il, a, si le fait, il a fait, il fait ses stats. Il a mené l'équipe où il devait se rendre. Juman Murray a fait les game winning shots. Mais il joue pas comme il joue parce qu'ils si je, jouais... je te dis pas qu'il a pas marqué 40 points, 30 points, 35 points. Il a, il a pas marqué 7-3 points. C'est qu'on demande. Il a fait les la game où il choc. Dégage, tu te goûtes à faire 20. It doesn't matter. Il en fait, does. Si je fais juste une shot 3 points, clutch, every game, je suis un all-star, je suis un playoff performer. Je t'ai pas dit que un all-star. One-on-one. Mais il est pas ordinary. One-on-one on one for one-three. Yeah, I'm, I'm, je suis comparé à un MVP il, player. Il est pas ordinary parce que il tu, est sais, ordinaire, tu sais très bien qu'il est rentré est... blessé. Ben, dans les dis, playoffs. Il est ordinaire, accepte-le. Il rentre, est Il rentre Regarde non, la caméra, je regarde, regarde tes fans. Accepte-le. Non, je suis pas bias. Comment Si le gars il dit qu'il est à 70, 60%, je sais pas combien de pourcents il est, whatever, il est rentré blessé dans les playoffs, demande pas, demandez pas plus là. Il est rentré avec un genou caca. Non, yeah. ouais. et, et Il est retourné à Cancum! Parce que... Fait, il est retourné à Kinkoo parce qu'il ne peut pas jouer contre Brinson. Murray est battu contre Kinkoo aussi. Il ne t'aime pas Il s'est battu. <coughs> <Real> <coughs> mais pour moi, Murray, <Creates> pour moi, <coughs> pour <coughs> pour moi, en saison, c'est un gars ordinaire. Il n'est pas un all-star. Tout le monde sait qu'en play-off. Même lui, il déteste qu'on l'appelle playoff Murray, mais je ne l'ai jamais vu faire des performances qu'il fait en playoff en saison. Le gars, Strogole, average 20 points. Et c'est comme. Là, qu'est-ce qu'on compte de Murray quand on rentre en playoff C'est que tout d'un coup, il joue de même level que Jokic. C'est que lui et Jokic peux tout d'un coup nous faire 60 points à eux deux. Si encore, tu, me joues, tu me donnes les performances que tu me donnes en playoff, en saison, tu t'es ordinaire. Es comme, je pourrais me trouver un, un autre gars. Là, j'ai besoin d'un un troisième piece. Parce que là, tu ne joues pas assez. Tu dois élever ton game comme tu fais d'habitude. Pour baser votre réponse et votre opinion présentement sur un six-game span que le gars est blessé. Une saison complète. J'ai dit, je l'ai répété, Regarde la saison complète du monsieur, est-ce que tu le considères comme un joueur incroyable, un All-Star? Je t'ai dit que cette année, avec les playoffs qu'il me donne, il est ordinaire. Tu ne veux pas l'accepter, c'est ton choix à se Tu as le droit pas l'accepter, right. mais la vérité est là. Right. J'espère que Casa va me dire quelque chose de sérieux. Vas-y, je t'écoute. <laughs> <laughs> euh... Frank a un bon point. Oh come on! God damn it man! Mais t'as un bon point toi aussi, tu okay. mm -hmm. comprends? La, la fin c'est que je trouve pas que Jamal Murray est un average player. Je trouve qu'il y a une coche au-dessus du average. Mais plus. Je, pas, bon. je suis d'accord avec le fait que c'est pas c est un non-star. C'est un starter. C'est un starter. C'est eh? star un <laughs> star <laughs> top 5. C'est un reliable, <laughs> over average player. clutch player. Ah non, je peux dire qu'il est clutch Ah oh, mais oui. Mais, mais c'est pour ça que je. ne peux mets... pas dire qu'il est all-star Non non, mais c'est ça il est il est... Non. J'ai dit vous pouvez non. pas non. dire qu'il est ordinaire Exactement. parce qu'il est blessé. Exactement. Il, y a non. Pas, il... Non. Je suis d'accord. Il est clutch, Ok. C'est la seule chose qu'on peut lui qui peut faire live. Mais ouais. son game est ordinaire. Ouais. Puis live il essaie de faire les shots. Mmh. Les shots. Dans les shots qu'il fait en saison comme. Est-ce il... si que vous basez seulement les playoffs ou la non. saison complète? Non. Pour... non en saison mmh. il est bien ordinaire. En saison Merci. il est très ordinaire. Parce que j ai, j ai, ça, je l'ai appris à la dure. Avec je les sais, Paris, Murray était le... une star. Moi aussi. Puis ta bête, hein? Oui. On et puis Ils l'ont mis, mis à 23 points. <laughs> Bien et chaud. Tu vois, il faisait pas les points. il faisait des 16. Ok? 16 points. Il a comme moi. Appris, il a perdu comme toi. J'ai appris, oui. appris, <laughs> appris. Je me rappelle cette année. les, oh, les, oh, les oh, gens, oh, Les oh, gens voulaient bête Murray dès le début de la saison. On dit non, Paris pour. Attends que ça se rende à 16,5. Puis là, apparaît le over. Puis là, ça va monter tranquillement jusqu'à 20. Puis en playoff, go crazy, tu peux le parier jusqu'à 30. Il ne va, il va pas à 30. Euh, Donc là, il joue. Oh, il l'a déjà fait Il est clutch. Oui, en oui. Non, ok, on, je croyais qu'on parlait de regular season. Non, on parle de play non, 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 okay, En playoff, c'est pas play ouais. So, ouais, es Il plus. est clutch. Ce qu'il a fait, il est encore sur clutch. Jim. Mais il n'est pas comme la façon de ils sont game ordinaire, mais il fait juste atteindre des difficult shots. Si tu es blessé, tu sais que tu n'es pas en forme tu fais pas des jeux pour rendre ça plus easy à jouer pourquoi encore tu prends tu tu joues comme si tu étais playoff Murray oui, genre comme il arrive il reste un bon comme 18 secondes dans le shot clock il va faire un fade away au mid range comme juste for fun genre break. Mm -hmm. Après ça il est fâché parce que le ref l'a pas donné un phantom call <laughs> <laughs> oh, oui bien ordinaire Okaza, maintenant peux-tu me donner la réponse s'il te plaît <laughs> Tu vois je vais changé ma réponse pour vous ouais, à ma il est over average mais below all star. C'est ça, star Ok, c'est bon, c'est bon. C'est ça, style. Off the bench, star all star, superstar, MVP. all fini. all Est-ce que on peut dire que les des playoffs maintenant C'est la question tout le temps. Tout le temps. la réponse que je veux entendre. Ah ouais. Bentley, tu commences. Euh, ben, J'ai dit tantôt, puis oui, présentement, c'est la seule équipe que je verrais battre. Ah, en fait, les Celtics sont en train de perdre contre les Cleveland Cavaliers. C'est la seule team que <laughs> un je un vois. Bâton. Un bâton. Oh, oh, game 2. Gagner le chip. C'est un trend maintenant. Chez ça eux, en plus. C'est un trend, ça va être ah, deux fois. Là. Ils vont se fâcher après, puis ils vont gagner 3-8. Ouais, de 50 points. Mais euh, J'ai besoin de voir la game. Éteindre euh... deux ce soir. Demain? Ah, non tu De voir la game de demain. Oh, c'est de 3-0, ouais. gars, c'est fini. Si c'est pas 3-0, on ah. un problème. <laughs> bon, mais tu vois, si t'es capable de dire, problème, problème, tu... si si de dire on a un problème. Si Jamal fait 35, on a un problème. Si t'es capable de dire on a un problème, ça veut dire que tu penses pas réellement que c'est la meilleure team. Euh, Parce que tu, tu pourrais dire, ok, même si tu gagnes une game, on les cale les les autres. Euh, tu sais quoi Ça va dépendre comment ils vont perdre. S'ils si prennent un bâton, on a un problème. S'ils perdent de tête. C'est pour ça, ta confidence est pas encore all there. Moi, je suis encore hésitant. J'ai besoin qu'on me qu fasse soumettre. Tu comprends? Je veux aussi aller avec les Nuggets. C'est très. J'ai pas aimé ce que j'ai vu. Euh... Ben, J'espère qu'ils ont regardé le type Game 1. Gobert devrait revenir. Puis on attaque le petit panier, OK? Ou le grand panier. Le, <laughs> le grand panier. <laughs> le grand panier. Le, grand le partner. soft panier. quest euh, Négatif. Je pense que c'est la deuxième meilleure équipe des playoffs. Je pense que la meilleure équipe, c'est les, New... <laughs> les New York Knicks. <laughs> Donc, euh, peut-être la semaine prochaine, on verra. Mais je mais... Te dirais que c'est la plus dominante. Les... Euh, whatever. Mm, bon, bon je n'ai pas pas dominante pour posé... tout. Chaque game va se à la fin, mon chéri. Je vais pas poser la question de Rudy Gobert. Euh, non. Je pense qu'on va skip that. On a déjà dit nos prédictions pour la série. Euh, on va là avec euh, Maz vs. Thunder. Euh, Est-ce que SGA va jouer avec plus de violence maintenant qu'il a perdu son MVV? Euh, moi, je veux dire oui, je pense que la, cette nouvelle-là va le, le faire chier. Je pense que la deuxième game ce soir, il va donner un 35-piece. Euh, voici ma réponse, Kaza. Euh, je pense pas que LGA joue pour des de accolades ou des trophées. Je pense qu'il joue pour un Championship. Donc, euh, je ne pas sa performance va augmenter. Je, trouve, je pense que Dallas va gagner ce soir. Je pense qu'il laisse le fait de ne pas gagner un BB changer de la façon qu'il joue avec le reste de la team. Je pense pas que ça va être une bonne chose pour la team bon, ils ont quand même euh, donc comme un, une chimie. un écosystème, yeah. un chimie, Dylan Williams assez touch, euh, Chet assez touch, même Guidi assez touch, même Blood toi assez touch. Assez touch. touch. Lugar, assez touch. Toi, toi, touch Aussi toi. tout de coup ils commencent à dire non moi ok je vais franquer je score tout le temps 40 points, mm. ça va tout off les shit pour les autres joueurs puis je pense que ça va craser mm. ce qu'ils ont de qu'est-ce qui les rend dominant justement live. Euh, Casadis euh, je pense que et la série qui a commencé, Dallas devrait gagner. Non, c'est à OKC? Ah, euh, ouais, c'est à okay. ouais. il pourrait encore gagner, mais comme, je pense que c'est pas. Même si c'est 2-0 OKC, la série est pas finie. C'est une série qui va aller quand même loin. Euh, non, c'est un team sport. Il y a un seul joueur que je me rappelle qui jouait pour les stats, puis c'est Russell Westbrook. Puis look at what he did. de voulait l'ambiance. Oui, mais il jouait pas pour les stats. Il jouait still pour, for the win. Euh, sur so non, SJ, ça ne va pas changer. Il va still faire qu ce qu'il doit faire. Il va still faire ses 30 points, ses 5, 7, 6. Et rebound. Et, OK, ici, vont donner un challenge aux Mavs. Parfait. Enfin. Est-ce que vous pensez que le duo des Mavs peuvent compete et Thunder? Là, je sur quelle base? Offensively, defensively, size, etc. Là, je parle du duo. Je parle de, of course, Luca et uh, Carrie. Uh, sincèrement, uh, oui, je pense qu'ils peuvent compter, je ne veux pas être fou, là. Seulement offensivement, je pense que défensivement, même si K.U. a très bien défensivement la dernière game, euh, je ne pense pas qu'ils peuvent compter avec ces jeunes-là. Je veux juste les outscore, au moins match leurs points. Donc, tu me demandes ouais. si le duo de Mav peut compter avec les Thunder. Sur quelle base? Enfin, size, rebound, defense. Moi, j'ai dit offense, là, c'est plus logique aussi. Offensivement, oui. Je pense pas défensivement. Puis je pense pas au niveau des rebounds. Euh, ils n'ont pas un legitimate big comme Chet ou Graham. Donc je pense que ça, ça peut les hurt au, euh, au niveau des de offensives et défensives rebounds. Regarde. Euh, Regardez la game la dernière fois. Je me suis totalement endormi. Euh, oh. Les gars étaient reliant sur le. Chaque, chaque affaire, c'était free throw, fall call. Les gars sont toujours à terre. Mais. Dans, un peu, faut que Donchich puis Kyrie euh, arrêtent de jouer Donchich veut half, Kyrie second half. Euh, si les gars sont capables de jouer simultanément les deux en même temps, checker comme leurs stats, tout d'un coup, ils vont avoir un problème. Parce que, oui, comme Donchich peut match shy. comme Si tout d'un coup Kyrie vient aussi checker un, un 35 points, je sais que les deux peuvent avoir, les deux peuvent scorer 40 points dans, dans, la, dans la même game là. Si les deux gars commencent à jouer inti off of each other, comme ils se feed off de l'autre, puis ils commencent à Je ne pense pas qu'il y ait un autre joueur qui peut venir match shy, mais ils sont plus un team, ils sont plus complets en tant que team. Mais je pense que les deux, si les deux se disent OK, on fait ça puis on carry à deux, il n'y a pas de « oh, c'est à ton tour, faire les shots, à mon tour ». Je pense que Dallas peut jeter des problèmes. Je suis absolument d'accord avec ce que Niki a dit. Euh, ça commence à devenir trop évident que le, le game plan va soit à un ou à l'autre. Euh, faut vraiment que ça soit comme 50-50, il faut que la defense guess qui, qui vont double cette, cette drive-là. Puis là, euh, là c'est trop évident. So, comme Nicky a dit, si les gars sont capables de juste être, juste jouer ensemble. Pas donner, pas donner la shot à l'autre. Juste jouer ensemble comme ça va changer complètement la game. Pis donne une chance aux Mavs, parce que sinon, je ne vois pas avoir les Mavs avoir une chance offensivement ou défensivement avec OK. Je vais regarder la caméra là. Prédiction sur la série. J'ai pas besoin de questions là-dessus. Prédiction sur... non. Ouais. la série. Non. Live, la, live. Vas-y. OKC en 7. Je J'aurais mis Dallas en bracket sur so Dallas 6. Moi, je pouvais me mettre OKC en bracket, je me rappelle bien, so, je veux dire, OKC. Okay, si... En 6. 6. Dans la semaine sont 106. Parfait. Et maintenant, la dernière game. La subject de la nuit, les gens. Celtics versus <laughs> Cavaliers. Special add-on. Special add-on. <laughs> <laughs> les Cavaliers sont en train de donner un bâton mm. au Boston. 100, 118 à 89. Euh, les Stars sont plus sur le terrain euh, des, euh, des Celtics. Donc, euh, bref, merci à Orbaille à ce moment-là. Et des Caves. Euh, donc, euh, la question c'est est-ce que cette série est vraiment nécessaire J'allais dire non, mais là, je veux dire oui, la série est nécessaire. Euh, je vais même pas besoin de répondre sur, pour vous, parce que je sais qu'on est à la même longueur d'onde. Et comment les Cavaliers peuvent gagner cette série Pourrais m'y occuper, c'est comme juste euh... pourrais, je, Pour la, je un peu quoi dire. C'est la même chose que fucking Miami. Si <laughs> m'énerve avec si m'énerve avec, avec... tellement de passion, mon gars. Ils sont pas anglais, non. Ils ont gagné une game par 20-30 points. Ils, ont... Ils pensent qu'ils ont fini. Comme yo, t'es là. Puis ça me dérange tellement que tu perds la game chez toi. Moi, je suis un fan des Celtics, Je vois voir cette game là. Puis si là, on perd. Comme je m'en fous que tu les gagnes par, par 30 chez eux. là. Comme, moi, je veux le voir quand je suis là. Et euh... au ces gars là, c'est comme. C est... C est comme... Je suis... Prendre ces trucs au sérieux, le coach il sait pas les motiver. Puis j'ai l'impression que dès qu'une équipe est en gris, on vient les checker des problèmes. Genre, comme tu as juste à guard Donovan Mitchell, il ya personne d'autre à garde. Garland, il est pas confident, mm. mobley il a pas de game à part en dessous du panier. Comme tu es supposé avoir une team qui peut switch 1 to 5 mostly kind of. Yo, pourquoi tu perds même si tu as perdu, pourquoi tu perds par fucking 30 points, <laughs> What the fuck, <laughs> C'est vrai. Super, super étatier. What est what c'est ça? Home, <rire> yeah. home, home. Fuck, fuck les Celtics, <laughs> <Okay. rire> ils vont still gagner, ils vont still gagner la série. Puis après ça contre les Knicks, là ils vont avoir des problèmes. Euh, <laughs> comme nikki a dit, c'est euh, absolument disrespectful de faire caler de même home. Euh, probablement ils vont beat les Cavs par 50 <laughs> next, next game, game. <laughs> pour faire un statement après, ils vont gagner la série en 5. Je vois pas cette. Je vois pas. Je, je vois. Je, je vois. Still les Celtics gagner. Peu importe. Gaza. Euh, Je pense que le problème avec le Boston Celtics, comme Misogad a dit, c'est qu'ils sont trop. à tendance à rester sur leur laurier. On est premier dans le East. On est déjà couronné comme allant en, en finals, finals, ouais, finals. Dans le East. Donc, une fois qu'ils ont gagné une game, they take their feet off the pedal. Et puis, c'est pour ça que là, ce soir, ils se sont fait pencher sur la table. 118 à 94 <laughs> devant mm. leur fan. Si j'étais un fan, j'aurais vomi dans mon sac de popcorn. Là, je serais déjà, <laughs> <du rire> déjà <laughs> parti. Exactement. Oui. Moi, je veux déjà le head du coach. Ça, c'est le coaching. Euh, euh, bon, Zoula. tu Mazou, est lou. un rancet <laughs> Vous auriez jamais dû fire Imeo K mm. Et je veux que vous perdiez contre les Knicks pour ça. Parce que malgré le fait que Boston a perdu ce soir. Je ne les vois pas peur contre Cleveland Cavaliers. Si Donovan Mitchell bat. Toi, tu ne réponds pas à ça? Oh, vous avez tout dit. <laughs> ok, c'est bon. Vous avez tout dit, vous avez tout dit. Si Donovan Mitchell, Spider, bat les Celtics, est-ce qu'il devient un Hall of Famer? <laughs> oh, oh, oh! Next, next, oh, yes. ah. next. Il a battu une équipe qui n'a rien gagné. Non. Il, y a, il, a, il, il a battu l'équipe équipe qui avait même pas fumé dedans. <laughs> Comment il peut devenir enlevé Parfait. C'est pas qu'il ne peut pas le devenir aussi. Il continue, mais. Euh... C'est juste une, question, une simple question parce qu'il me dit que les CRT c'était premier. Ça Ça pas irrelevant. Irrelevant. Il peux... aurait battu le seul MVP vote. En fait, le seul MVP candidate qui a eu un seul vote, number four. <laughs> not fourth place. Il aurait, per... il aurait, per... il aurait battu le... le pire MVP contender. Parfait. All right! Prédiction de la série. Celtics en 5. La caméra est sur moi. Non, mais... On, on est tous d'accord. Vas-y, vas-y. Celtics ouais. okay. Oh! Celt... Oh! Non. Eh Do I do it? Say it. Do I do it? Say it. Do I do, do it? Cavs? Vas-y, vas-y, vas-y. Do I do it? Vas-y, vas Cavs en 7. Cavs... en 7. Oh, je pourrais que t'allais être en 5. Même si dans mon bracket j'ai mis Certix Pocket, peux pas, faut ne pas copier. 4 dans 7. Moi je vais aller avec des... Amics là, je crois euh, On va aller avec un Certix 106. Ils ont perdu une game, home. Ils ont perdu une game home, puis ils perdu une game away. Pour Linux, ça va être Certix 107. 7. Ils vont on perdre trois games. On, a, on est rendu là? Ah, yeah, on est, est là. Est bon. On va continuer comme ça. Eh ben, ben, si c'est comme ça... <laughs> là, hein? Non, mais parce qu'ils ne sont pas sérieux. Ils sont pas sur lui. Ils perdent des games for fun. Caps en sept. Let's go! <laughs> La prochaine série, New York en 4 contre Boston Celtics. <laughs> <Olympics. rire> All right, guys. All right, guys. That's enough for tonight. On a bien parlé. Euh, gros épisode encore. Merci de nous écouter. Merci de nous liker, continuez à subscribe. Guys, gros milestone. Je salue Kaza pour ça. Celui qui s'occupe des réseaux sociaux. Euh, on a fait le 100 subscribers. Nous. So, gros milestone. Gros milestone. Puis dang, à chaque année, dang. on s'améliore. So, guys, l'année prochaine, 200, ou no, 250, 1000, 1000, 300 000. 300 000. Maybe. Hey, on va continuer à pousser, <laughs> on va continuer à grind. On fait ça pour le fun. On est tous des bords de rue ici. On s'adore. So, merci à vous de nous écouter. Et puis, we Be out. out.